legality. Never be charity. The enemy of burning covers all society. Damn right, mommy's not here, gonna fight all night. Right here, shadow 10 o'clock direction. Seize the moment, then destroy the nation. You rise slow motion, give me motivation. Breathe out now, ain't dead on arrival. Round up around, spit out, all over. Rhyme like a rolling stone, calm in a crowd. Watch out the moon, they're this too loud. Just watch this sound, if I'm whole ground. So round up, don't ease your pace, cause enemies brutal. Form of the truth, there ain't no truth. You're the only one, one world, one law. But the battle goes on, shadows all mass destruction. Oh yeah, ah si. Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos, comment allez-vous? Merci pour les 20 bis, Dradra, comment vas-tu? Coucou Nezouk et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et merci Néo pour ton raid. Donc je suppose que tu vas pouvoir nous rejoindre dans le vocal. Moi ça va, ça va. Donc, pour l'instant je suis toute seule, ne vous inquiétez pas, ils vont vite me rejoindre, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, vous savez, hein, nous allons donc avoir notre petit rendez-vous partage ton jeu. C'est déjà le troisième, comme quoi ça marche bien. Je suis assez contente que ça marche si bien. Mais voilà, donc je serai avec trois nouvelles personnes et non plus les trois autres de la dernière fois, même s'ils reviendront sûrement. Hein. Mais voilà, donc nous allons partager encore des jeux coup de cœur, des jeux que nous aimons, des jeux auxquels nous revenons régulièrement, voilà. Des jeux que nous aimons, donc c'est le principe ici aujourd'hui, ce sera de partager un jeu qui nous plaît. Donc je vais passer sur le Just Chatting et je vais... Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Les autres, je sais que tu es là. Mais les autres n'a pas branché son micro. Yo. Ah. Coucou Nezouk et merci pour le follow, Kiwena. Une petite Q qui me rejoint. Donc Néo, il faudrait que tu viennes nous rejoindre dans le Discord. Et normalement, il y a Siro qui nous rejoindra aussi, mais il m'a prévenu qu'il arriverait un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc Néo est en train de m'envoyer les images, c'est parfait. Moi, j'ai déjà tout envoyé du coup. Oui, toi tu m'as tout envoyé. J'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé ce que tu m'envoies. Et... Hello. Et Néo non plus. Je sais pas de quoi il va parler. Donc voilà. Il y a juste Siro, je sais, parce que lui il me l'a dit sans faire exprès, mais il me l'a dit. Donc je sais de quoi il parle lui. Et moi je viens tout juste d'envoyer. Oui, j'ai vu. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de jeux que nous aimons, de jeux qui nous ont passionnés, qui nous ont marqués, de jeux auxquels nous revenons. Voilà. Des jeux coup de cœur. Voilà.
Eh ben, je vais commencer donc, encore une fois. C'est toujours moi À qui ton commence. honneur. Ben oui, je suis chez moi, c'est donc toujours moi qui commence. Quoique je pourrais laisser commencer quelqu'un d'autre, hein, mais bon. Donc, moi, je vais vous parler d'un autre de mes trésors. C'est un trésor de la PS2 pour moi, pour le coup. Je vais vous parler. Attendez, je vais mettre l'image dans mon Discord, dans mon OBS, pardon. Où est-ce qu'elle est? Là. Ok. Voilà, moi je vais vous parler de la saga Shadow Hearts. Alors, je parle de la saga, mais je vais surtout vous parler des deux premiers. Parce que je n'ai pas joué au troisième et je n'y jouerai pas. Parce que voilà. Voilà, parce que j'ai pas accroché au troisième en fait. J'ai essayé d'y jouer, mais je n'ai pas accroché au troisième. Donc, moi, mes deux coups de cœur sont surtout sur le premier et le deuxième, qui sont intimement liés, puisque techniquement, Shadow Heart Covenant est tout simplement la suite directe du premier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, Shadow Hearts, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est un jeu, c'est un RPG à atmosphère horrifique. Et c'est un jeu qui était au tout début de la PS2, puisqu'il est sorti en 2001. Donc c'est vraiment dans les tout débuts de la PS2. Et moi, il faut savoir qu'à l'époque, je jouais encore à des petits jeux tout mignons. Je jouais encore à du Spyro. Je jouais encore. Enfin, je jouais encore à des trucs assez. Entre guillemets, enfantins, c'est comme ça. Donc, quand je suis tombée sur Shadow Heart, déjà j'ai pris une claque visuelle parce que je passais de la PS1 à la PS2. Donc, déjà, au niveau graphique, c'était assez flagrant. Et il faut savoir que la première scène cinématique que vous voyez. Comment vous dire ça? Bah, il y a des morts, il y a du sang, il y a des tripes. Et quand tu passes du Spyro à ça, ça va être pas On mal. était en 2001, j'avais 12 ans, j'avais 12 ans de moins, donc j'avais une quinzaine d'années, même pas. Et ma réaction, ça a été, ce jeu est génial, je continue. J'ai vu une tête ensanglantée en plein écran, j'ai fait, je continue. T'es mort! Des morts, du sang, des tripes, J'imagine les parents. Oh merde, c'est peut-être un peu violent. Et like you. j'en veux plus. comme une folle devant la télé, tu Non sais. mais, C'est ça. non mais vous riez, mais sachez que mon père a découvert la première scène cinématique en même temps que moi. Et sa première réaction, ça a été, on est sur PS2, c'est beau, n'empêche. Ouais, c'est beau, il y a une tête pleine de sang à l'écran, mais c'est très beau. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour vous passer le trailer, comme ça vous verrez déjà un peu de quoi je parle. Donc c'est le trailer du premier jeu, du premier Shadow Heart. Mais non, c'est pas violent! Mais non! Peine. À peine! Et en fait, littéralement, ce que vous voyez là, c'est littéralement la première scène du jeu, en fait. Ce qu'on voit là, c'est littéralement la première scène du jeu. Bonne réaction de Papa QB, exactement! C'est le début de la PS2. Oui, on voit c'est le début de la PS2. Hein. Techniquement, c'est sorti à la même époque que Final Fantasy X. Hein. Ouais, 2001, bah oui, 2001 c'était du Final Fantasy, Oui, voilà. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment les débuts de la PS1. De la PS1, de la PS2, pardon. PS2. C'est vraiment les débuts de la PS2, pardon. J'avais 2001 en tête, c'est pour ça en fait. Coucou Siro! Oh, lapsus révélateur. Oui, totalement. Vous sentez la joueuse de rétro là? Des formations professionnelles. Exactement. Les scènes cinématiques restent très belles quand même pour de la PS2. En vrai, pour un début de PS2 en 2001, ouais, ça va, c'est Oui, complètement la 3D des personnages est très correcte. Hein. Alors il y a une très grosse évolution graphique quand on passe au Shadow Heart 2, évidemment. Mais la 3D reste très très bonne pour de la. Voilà! Voilà littéralement l'image que j'ai eue en commençant! Cette tronche en pleine de sang!
Et bien sangloté, j'aime le beau sang. Hein. Donc je disais, je y a la tête au premier plan en plus. Voilà, c'est ça, c'est littéralement ça. Voilà, je vous dis, attendez, voilà. Je jouais encore à l'époque à Crash Bandicoot, Spyro et tout ça, et je passe PS2, BAM! Ah, ok, on continue! Tout va bien. Il y a plus de rouge que de couleur de peau, en fait. Là. Exactement. Mais là, c'est une fatalité de Mortal Kombat, là. Ah oui, c'est une fatalité, hein. Fatality! Scorpio, Rain, fatality! Donc voilà. Donc en effet, moi, du haut de mes 12-13 ans, je découvre Shadow Hearts. Ça a été le coup de cœur. Ça a littéralement été le coup de cœur. En plus, dites-vous qu'à l'époque, c'était encore l'époque où il y avait des vidéogames, donc des endroits où on louait les jeux vidéo. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui. C'était encore l'époque où on pouvait aller dans les magasins et emprunter un jeu vidéo pendant 3-4 jours, une semaine. Et j'avais découvert ce Shadow Heart dans un truc comme ça. Je l'avais loué et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit à mon père, je le veux. Je veux ce jeu. Je le veux pour toujours. Je veux garder ce jeu. Donc on a fini par me l'offrir. Il faut savoir que, sachez qu'à l'heure actuelle, Shadow Heart 1 et 2, c'est des jeux qui valent très cher. C'est des jeux qui sont rares. Généralement, les JRPG pas très connus comme justement, ça. Justement, c'est une saga qui n'a pas été très très connue. Je crois que maintenant, elle commence à avoir ses lettres de noblesse, mais encore, ça reste un jeu très très méconnu. Et oui, ça vaut une fortune. Je me suis racheté, parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu un souci et mes jeux ont été vendus. Donc j'ai dû racheter Shadow Heart 1 et 2, et je les ai payés les deux à... Je crois que j'étais à 180€ pour les deux. Ah ouais. Ah ouais, 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 non, je vous assure que ça faisait mal. Et encore, j'ai eu du mal à les trouver, hein. Je crois que j'ai dû faire une vingtaine de magasins pour les trouver. À un moment donné, À un moment donné, je vous assure que je suis arrivée dans un petit magasin qui faisait du rétro et tout ça, mais vraiment le petit magasin perdu et tout ça. Je dis, bon, allez, de toute façon, au point où j'en suis, j'arrive, je regarde le mec. Avant même de regarder dans les rayons, je le regarde, je fais, est-ce que vous savez avoir Shadow Heart 1 et 2? Ah, je les ai. Je fais, quoi? J'arrive, je fais, quoi? Combien? Bon, en fait, même, c'est même pas combien, c'est, je m'en fous du prix, je les prends. Ta gueule et prends mon argent. Ah oui, ça littéralement était ça. Je lui ai dit, je m'en fous du prix, je les prends. Alors le mec, il me fait, alors oui, j'ai le premier, il est à... Enfin, le deuxième, il est à 60€, le premier, il est à 100. Je m'en fous, je les prends, je te dis. Je te dis que je les prends. Take my money. Shut up and take my money. C'est ça, mais littéralement, je lui ai dit, mec, ça fait 15 ans que je les cherche. Ça fait 15 ans que je les cherche, je les veux. Donc, ouais, oh, c'est... Donc voilà. Donc, pour vous faire quand même une petite explication du jeu. Donc, c'est un, je vous l'ai dit, c'est un JRPG horrifique. Au niveau du gameplay, ça se passe un peu comme un Final Fantasy. Donc, c'est un peu du combat au tour par tour. Mais à la différence qu'on ne joue pas spécialement des héros. On est plus, pas forcément des anti-héros, mais on est vraiment des personnages qui... On va un peu contre la loi. On se bat pour nous, en fait. Pour notre survie, tout ça, dans un univers où tout est glauque. On est vraiment, littéralement, on est dans une creepypasta. Pour faire simple, ce monde entier est une creepypasta. En fait, c'est un peu genre à la Parasite Eve, quoi. Il y a un peu d'éléments survival horror avec du RPG, en fait. C'est ça, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et donc, l'histoire commence dans le fameux train qu'on voit dans le trailer, avec notre héros qui est donc Yuri, qui est donc un personnage très particulier, car il a la capacité de fusionner avec des démons. C'est un pouvoir qu'il a de sa famille, de son père en fait, c'est un pouvoir qu'il a hérité de son père, c'est vraiment un pouvoir inné à lui-même. Et en fait, il entend des voix, il le dit clairement, il le dit lui-même, c'est une phrase du jeu, il le dit, je suis passé de mauvais garçon à pauvre débile qui entend des voix dans sa tête. Il le dit lui-même, c'est vraiment une phrase typique du jeu. Et en fait, il a une voix dans sa tête qui lui dit où il doit aller, ce qu'il doit faire, s'il a un truc à faire. Il suit une voix. Son trajet, c'est « je suis une voix ». Et en fait, il est dans ce train parce qu'une voix lui a dit d'y aller afin de protéger quelqu'un. En effet, on voit dans le trailer un homme, un gentleman, costard, cravate, chapeau et tout ça. En fait, ce mec est venu ici pour enlever la jeune fille qu'on voit dans le train. Et en passage, déglinguer tous les gens qui sont dans le train et qui l'empêchent d'atteindre cette fille. Pourquoi? On ne sait pas encore, mais en fait, on apprendra que ce mec a pour but de
réveiller un dieu diabolique. Rien Évidemment. que ça. Rien que ça. C'est pas choquant finalement. Oh non! On fait ça tous les jours, voyons. Bah, en fait, le scénario a l'air horrifique. Au final, le scénario a l'air assez classique quand même. C'est un scénario assez classique techniquement parce que voilà, c'est oui, c'est ça, c'est le scénario Bon, lui-même t'as... est très classique, mais c'est vraiment tout le cheminement du scénario en lui-même qui se porte sur le classique parce que toutes les endroits qu'on va visiter sont liés à une malédiction, un démon endormi qui se balade et tout ça. Il y a vraiment tout un univers très très glauque en fait. Et à un moment donné, justement, à un moment donné, quand on a sauvé la fille en fait du train, on va atterrir dans un village. On est en pleine nuit, on a heureusement un village tout près qui accepte de nous accueillir et tout. Sauf que on se rendra compte que dans ce village, ben, c'est un village de cannibales qui honorent un dieu sacrificiel, voilà. Et en fait, en effet, au cours de la nuit, on se rend compte que ce charmant petit village est couvert de sang, de tripes, de morceaux humains et tout. Ah ouais! Un village normal de Oui, campagne, quoi. tout à fait normal! C'est ça. Très bien! Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment tout ce passage, tout cet univers horrifique, gothique, vraiment. L'univers est malsain. On sent que l'univers dans lequel on est malsain. Il n'y a aucun endroit sûr, en fait. Tous les endroits où on va, il y a vraiment ce côté, on n'est pas en sécurité. Tant qu'on n'a pas trouvé la. Tant qu'on n'a pas réglé tous les problèmes, il n'y a rien de sûr dans ce jeu, en fait. Il y a vraiment cette épée de Damoclès, ce nuage noir, cette malédiction qui semble nous pourchasser et tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de malédiction, il faut savoir que notre personnage principal, Yuri, qui est donc capable de fusionner avec des démons, dans son sommeil, dans son subconscient, voyez-le comme vous voulez, il peut rejoindre une espèce de cimetière dans lequel se trouvent des tombes, dans lequel justement, enfin des tombes ainsi qu'une porte gardée par quatre masques. Ces quatre masques nous expliquent en fait que, eh bien, à force d'éliminer les monstruosités, parce qu'il y a des monstres évidemment, il y a des monstres, il y a des anomalies et tout ça qui se baladent dans cet univers, et à force en fait d'éliminer ces monstres, on engendre la fureur des monstres. Une fureur qui vient de l'au-delà, du fin fond du cœur noir de Yuri. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a une espèce de malveillance qui s'installe et qui menace d'exploser à tout moment. Et en fait, cette malveillance, elle est illustrée par le bijou que porte Yuri, qui passe d'une couleur normale, à savoir le vert. Le vert en général. Non, le bleu, pardon. Le bleu, c'est que tout va bien. Et du bleu, il va passer au jaune, au vert. Et arriver au rouge, en fait, arriver au rouge, ben, c'est mauvais. C'est mauvais. Si vous calmez pas la malveillance, en fait, vous avez en fait un des masques qui va venir vous casser la gueule. Et quand je dis casser la gueule, il vous casse la gueule. Vous n'avez aucune chance de gagner. C'est une baleine, quoi. C'est ça, c'est vraiment une malédiction, en fait. Et donc, pour calmer cette malveillance, il faut se rendre dans le cimetière et bah, éliminer justement la malveillance au sein même du cimetière, donc une malveillance qui crée un monstre. Et en éliminant ce monstre, on calme la malveillance, mais ce n'est que temporaire, puisque bah, à chaque fois qu'on va tuer des monstres dans le monde réel, cette malveillance va recommencer à monter. Voilà. D'accord. Dans ce cimetière, il y a aussi d'autres tombes, là où se trouve justement le cœur des différents démons que Yuri peut fusionner. Des démons qui sont tous liés à un élément, parce que oui, ce jeu instaure des éléments, à savoir 6, lumière, ténèbres, terre, eau, vent et feu. Et en fait, Classique. oui, classique. Et évidemment, chaque personnage de l'équipe est lié à un élément. Yuri, de base, est lié aux ténèbres, mais comme il peut fusionner avec différents démons, il peut changer son élément principal, puisque chaque démon est lié à un élément. Il faut savoir que chaque démon a 3 rangs de niveau. Pour ça, donc, il faut éliminer un certain nombre de monstres liés à cet élément, attendre que la pierre tombale en question s'illumine. Une fois qu'elle est illuminée, on peut affronter le démon en question et donc le dompter. Pareil pour le niveau 2. Pour le niveau 3, c'est plus particulier, puisque pour le niveau 3, il faut récupérer un objet en particulier afin de débloquer la troisième fusion, qui est donc la plus puissante, évidemment.
Et voilà, donc ça c'est pour les capacités de Yuri. On a bien sûr les autres personnages qui sont aussi liés à un élément, genre la fille qu'on a vue est liée à la lumière, vous vous en doutez bien, hein, voilà. Classique Évidemment. de la future amoureuse de Yuri. Et donc voilà. À savoir que les combats, justement, je vais mettre une image pour vous illustrer ça. Attendez, où est-ce qu'elles sont mes images? Ah! Les images de combat, je les ai perdues. Non, elles sont là. Et puis, c'est pas avec un système de roues, je crois, C'est ou un ça. truc comme ça, C'est non? exactement ça. En fait, le système de combat, donc je vous le dis, c'est du combat au tour par tour et c'est purement du tour par tour, contrairement au Final Fantasy plus récent. Il n'y a pas de jauge ATB, c'est purement du tour par tour. Et en fait, ça fonctionne sur un système de ce qu'on appelle la roue du jugement, en fait. Donc c'est vraiment une roue de jugement avec une barre qui va tourner. Et comme vous le voyez là, par exemple, il y a trois quartiers, on va dire trois quartiers, même si ça part comme ça aussi. Mais on peut améliorer l'arme en question jusqu'à ce qu'elle en ait cinq. À savoir que plus vous avez de quartiers, plus c'est compliqué de faire un combo, parce que le but c'est de faire un combo justement. Et si vous réussissez à atteindre le côté rouge, ben vous faites une super attaque, donc le meilleur truc. Et ça fonctionne aussi bien pour les attaques physiques que magiques ou même pour les objets. Vraiment, c'est vraiment une roue du jugement en fait. Donc, elle vous juge si vous êtes capable de faire ce que vous devez faire. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle vraiment une roue du jugement. Ça dicte tous les combats du jeu, quoi, en gros. C'est ça, c'est vraiment pour dicter les combats du jeu. Merci. Il y a aussi un truc qui est particulier, c'est que vous voyez qu'à côté des noms des personnages, il y a trois barres, à savoir la barre de vie, la barre de magie. Mais une barre qui s'appelle SP, point spirit. C'est quoi les points spirit? Ben, les points spirit, en fait, c'est une jauge qui va diminuer à chaque tour, mais vraiment à chaque tour. Et quand elle atteint zéro, ben, votre personnage tombe dans la folie. Littéralement. Et il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut vous attaquer, il peut s'attaquer lui-même, il peut attaquer l'ennemi, il peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Il est hors de contrôle, en fait. Vous devez donc utiliser un objet pour lui rendre son esprit. C'est vraiment un truc très particulier. À savoir justement que c'est un très gros handicap pour Yuri, parce que Yuri, quand il fusionne avec un ennemi, il utilise des points de spirit. C'est d'ailleurs pour ça que là, à l'écran, c'est lui qui a un nombre faramineux de spirit, parce que ces fusions, les premières, elles en demandent, je crois, une dizaine, mais les suivantes, elles en demandent 20, la dernière, elles en demandent 35. C'est Ouais, pour du ça coup, que Yuri a vraiment un nombre faramineux de spirit par rapport aux autres. c'est ce que je me demandais, c'est que je voyais l'écran, je voyais 62 par rapport à 15. Oui, parce que lui, en Ah, fait, c'est bizarre, mais ouais, c'est. c'est parce que ça dépend de ses fusions. Ses fusions lui demandent énormément de points de spirit, ce qui est cohérent puisque tu tombes dans la folie quand t'en as plus, en fait. Je vois. Voilà. Donc voilà, évidemment, en plus, vous voyez là, il y a un monstre qui ne ressemble à rien. C'est vraiment les particularités de ce jeu, c'est que vraiment, les combats de boss sont vraiment des monstres, quelquefois horribles. Il y a littéralement un moment où on vous raconte littéralement une creepypasta en fait. Il y a une zone où on est dans une espèce de port et on vous raconte en fait avec une histoire. Faut savoir que le jeu est doublé en plus. Bon, il est doublé en anglais, mais il est doublé. Donc en pleine cinématique, vous avez une vieille femme avec vraiment une voix de femme qui vous raconte une histoire d'horreur, mais vraiment une histoire d'horreur. Et je vous assure que ça vous fait flipper. C'est vraiment très angoissant. Je vous assure que la première fois que vous l'entendez, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout. Un jeu à jouer avant de dormir. Exactement, dans Parfaitement. le noir avant de dormir, exactement. Parfaitement. Il faut savoir aussi que ce jeu a deux fins possibles, que ce soit Shadow Heart 1 ou 2. Alors, Shadow Heart 1, vous verrez pas trop la différence, mais en fait, elle est très importante pour Shadow Heart 2, parce que le Shadow Heart 2 va se, eh ben, tout simplement, va se baser sur la mauvaise fin de Shadow Heart 1, en fait, tout simplement. Il faut savoir en fait qu'à un moment donné, je vous ai parlé du cimetière avec les fameux masques qui gardent la porte. Eh bien, cette porte justement, c'est une malédiction. Une malédiction par laquelle, merde, comment elle s'appelle encore la copine de Yuri? J'ai oublié. Je vérifie parce que j'ai un doute. Alice, c'est ça. Elle s'appelle Alice. Alice, à un moment donné, de par son pouvoir, va se retrouver, on ne sait trop comment, dans le cimetière. Cimetière normalement où seul Yuri a accès. Et en s'y rendant, elle va découvrir les masques qui vont lui parler de la malédiction qui trône sur Yuri. Et vu qu'elle commence à tomber amoureuse de lui, elle va proposer de prendre la malédiction sur elle, en fait, afin d'épargner Yuri.
qui, vous en doutez, n'est pas une bonne idée. Sacrifice par amour. Voilà, c'est exactement. Et c'est là justement que va se jouer la bonne ou la mauvaise fin du jeu pour le premier Shadow Heart. C'est qu'en fait, à un moment donné, Yuri va découvrir que Alice a vendu son âme aux quatre masques. Et à ce moment-là, en fait, vous avez un moment dans le jeu en particulier. Si vous le faites trop tard, vous avez perdu, Alice va mourir. Mais à un moment du jeu, en fait, vous allez devoir laisser la malveillance monter. Et quand la malveillance va arriver, les masques vont débarquer. Et à ce moment-là, en fait, si vous avez un objet en particulier, vous pourrez affronter les masques. À savoir que les masques, il faut les affronter dans un ordre en particulier. Mais le but, c'est juste de les buter. Une fois que vous avez buté les masques, vous avez levé la malédiction et ils foutront la paix à Alice. Voilà. Donc au final, la bonne fin, c'est Alice a survécu, elle s'en va avec Yuri, tout va bien. Mais je vous ai dit qu'il y a une suite à ce jeu, une suite directe, qui donc est Shadow Heart Covenant. Et bien Shadow Heart Covenant, justement, se déroule juste après le premier. Malheureusement, Alice n'a pas survécu à la malédiction. Parce qu'en fait, les masques vous expliquent que même si dans le premier jeu, tu as sauvé Alice, ils te disent que notre malédiction est éternelle. Tu ne peux pas aller contre notre malédiction. Point. Donc malheureusement, Alice n'a pas survécu. Et donc Yuri est un peu déprimé, on va dire. C'est quand même son grand amour, quoi, la petite Alice. Et on est toujours dans un univers glauque. Hein. Il faut savoir quand même que contrairement au premier, Shadow Heart 2 instaure quand même beaucoup plus d'humour. Il y a quand même beaucoup plus d'humour dans celui-là, avec des personnages un peu plus comiques et tout ça, mais on est toujours dans un univers très très glauque. Hein. Il y a toujours cette ambiance gothique, malsaine, qui trône un petit peu partout. Et je ne vais pas trop vous en raconter quand même, parce que c'est vraiment des jeux qu'il faut vivre. C'est vraiment des jeux qu'il faut découvrir, qu'il faut vivre pleinement, pour se rendre compte vraiment de l'ambiance malsaine qui est dedans, en fait. C'est vraiment une ambiance qui peut peser quelquefois. Donc voilà. L'ambiance qui fait tout, quoi. Oui, c'est vraiment une ambiance qui fait tout, en fait. Et en plus, les personnages sont extrêmement attachants, vraiment. Il y a vraiment des personnages qui sont très attachants. Honnêtement, il n'y a pas de personnages qui sont énervants. T'as vraiment envie de jouer avec tout le monde, t'as vraiment envie de tous les connaître et tout ça. Pour moi, ils sont vraiment tous attachants. C'est bien ça. Comme je vous l'ai dit, je vous parle que du 1 et du 2, parce que le problème, c'est que déjà, le 3e, il est en anglais. Malheureusement, il n'a pas été traduit. Donc moi, ça m'a beaucoup bloqué. Et en plus, il faut savoir qu'on perd les persos, entre guillemets, principales. Yuri ne revient pas dans Shadow Heart 3, en fait. L'histoire de Yuri se conclut avec Shadow Heart 2, avec une très belle histoire, qui aussi, d'ailleurs, a deux fins. Je vous ai dit, Shadow Heart 2 a aussi deux fins, qui, là, par contre, sont totalement différentes l'une de l'autre. Donc là, il est très intéressant de voir les deux, parce qu'elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre. On peut vraiment parler... Et en plus, sans parler même de bonnes ou de mauvaises fins, en fait, parce que techniquement, les deux fins peuvent être bonnes d'une façon... D'une certaine façon, en fait. Donc, on ne peut même pas dire qu'il y a une mauvaise fin dans Shadow Heart 2, en fait. C'est juste que, d'un certain point de vue, c'est une bonne fin, mais, voilà. Bon, c'est deux fins alternatives, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment deux fins alternatives. Voilà. J'en dis pas plus, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un truc qu'il faut vivre, pour le coup. Et donc, Shadow Heart 3, je l'avais testé. Même s'il était en anglais, je l'avais testé, mais malheureusement, je n'ai pas joué longtemps parce que je ne me suis pas attachée au personnage tout de suite. Et encore une fois, le fait qu'on perde Yuri, j'avoue que ça m'a beaucoup bloqué. Peut-être faudrait que j'essaye de m'y remettre un jour pour vraiment essayer de le découvrir. Mais en plus, il faut savoir qu'il n'a pas eu beaucoup de bonnes critiques, contrairement aux deux premiers. Donc ça ne joue pas trop en sa faveur non plus, pour le coup. Mais je ne peux pas en parler plus puisque je n'y ai pas joué. Donc voilà. J'ai l'impression que ça n'avait pas été développé par les mêmes, par contre, parce que je voyais Midway sur les deux premiers et... C'est possible. Ouais, sur la jaquette, ouais. Oui, c'est ça, en fait, le troisième a été développé par Ghost Light. D'accord, ouais, donc c'est deux développeurs différents. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a pas mal tourneboulé tout ça. On m'en avait parlé de ces jeux-là, moi, à l'époque. C'est vrai que je les ai un peu oubliés depuis, mais c'est des jeux que j'ai pas eu le temps de tester, qui sont dans ma grande liste de jeux à faire. Mmh. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, fais le 1 et le 2, le 3, c'est comme tu veux. Ouais. Voilà. Faut savoir aussi que Shadow Heart, là je vais un petit peu dériver, digresser si vous voulez, mais il faut savoir en fait que Shadow Heart, en fait, c'est une suite indirecte d'un jeu qui s'appelle Koudelka. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Voilà. Attendez, j'ai une image vraiment de Koudelka, je vous montre ça. Donc c'est un jeu qui était sur PS1. Attendez, Koudelka, où est-ce que je l'ai mis? Koudelka, t'es où? T'es là.
Voilà. Donc en fait, techniquement, on va dire que c'est une suite spirituelle, oui et non, parce qu'en fait, le personnage de Koudelka apparaît dans Shadow Heart 1. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une référence? On n'est pas trop sûr. Je dirais que c'est la même parce qu'en fait, on apprend que la fameuse Koudelka qui apparaît dans Shadow Heart 1 a plus ou moins les mêmes pouvoirs ou les mêmes capacités sensorielles que la Koudelka du PS1. Donc on pourrait supposer que c'est la même. Donc c'est vraiment, mais c'est pas une suite directe, hein. On appelle vraiment ça une suite spirituelle, une suite indirecte. Salut les copains. Salut. Salut. Comment Hello. ils vont? Ça va? Bien. Ben moi de mon côté, je crois que ma vie, elle a été codée avec le cul. C'est pas Par contre, possible. attends, Draki, 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 s'il te Oui. plaît, je suis en live. Pardon. Je suis en live. Ah, Oui, merde. je suis en live en fait. Ah, je suis trop bête. C'est pas grave. Une prochaine fois, c'est pas grave, Désolé. mais là, je suis en live. Pardon. C'est pas grave. De base, je voulais juste dire bonjour. Oui, je suis désolée, Draki. Hein. Je te jette pas dehors, Ah non, mais. non, non, c'est de ma faute, je savais pas. C'est pas J'aurais dû grave. vérifier avant. Pas grave. Bah si jamais, coucou le chat. Mais parce que là, on est en live, partage ton jeu. Donc, techniquement, j'ai des gens qui Ah. sont prévus. Donc, je suis désolée, Draki. Une Ah. prochaine fois, peut-être. Ok. Tu me dis dès que c'est possible. Oui, pas de Genre, comme souci. ça. Allez, à plus. À plus. Désolée. Évidemment, c'est vrai que ce vocal-là est libre d'accès à tout le monde. Donc, pour le coup, j'avoue que. Bon, techniquement, je suis dans le vocal Sentai. Donc, techniquement, c'est un peu là où on devrait me foutre la paix. Mais bon, faut croire que non. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Siro. Siro, toi, tu es le Hello. bienvenu. Tu étais prévu, toi, oui. Donc, Moi, c'est bon, j'ai le passe. je disais, pour Koudelka, en fait, donc on est toujours dans un univers très horrifique, mais Koudelka, en fait, sur PS1, est un jeu plus tactical horrifique, donc c'est vraiment sur un jeu de plateau avec des déplacements stratégiques et tout ça. Et on joue avec trois personnages, je crois que je dois avoir une image de combat techniquement de Koudelka, pour vous montrer ça. Koudelka, ici, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous voyez qu'on est sur un espèce de jeu de plateau avec donc les ennemis et les alliés. Donc on n'a que trois personnages, hein, Koudelka, Edward et James. Et donc rapidement, l'histoire de Koudelka, c'est donc Koudelka qui pénètre dans un monastère apparemment abandonné pour, bah, je sais pas, un vol de trésor peut-être, je sais pas trop. Mais qu'elle va découvrir avec ses différents alliés qui vont la rejoindre au fur et à mesure que des choses horribles se sont passées dans ce monastère en fait. On va découvrir qu'il y a eu des morts, des sacrifices, mais qu'il y a aussi eu de la torture, il y a eu des enfermements, il y a eu des morts d'enfants, et le fameux ressuscitons les morts, bien sûr. La joie. La joie! C'est aussi un jeu qu'il faut découvrir. Vraiment. Alors il faut Un aimer. jeu de la mode à la mode à l'époque. Voilà. Alors, il faut aimer les tacticals. C'est pas trop mon kiff, mais malgré tout, j'aime beaucoup Koudelka. C'est un jeu auquel je reviens aussi régulièrement. Qui est aussi très beau pour de la PS1, encore une fois. Hein. On est quand même sur de la. En fin de PS5, Oui, je crois. en fin de Pareil PS1, il que. me semble. Hein. Donc, voilà. Pareil que le jeu est mortel. Hein. Oui, il est mortel. Il y a des Dans morts quel partout, donc il est sens du mortel. terme? Donc, voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour moi, c'était ma saga de jeu, donc Koudelka plus Shadow Heart 1 et 2, le 3, peut-être que j'y reviendrai un jour si j'y arrive, hein, mais bon voilà, ça c'est mon petit bug à moi. Mais voilà, donc ça c'était pour moi, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura fait découvrir des jeux que vous ne connaissez pas et peut-être donner envie de les découvrir vous-même. Bon, vraiment, je les essaie un de ces jours, ces jeux-là. Fais-moi confiance, je t'ai conseillé des jeux que t'as bien aimés, fais-moi confiance. Le problème, en fait, c'est que j'ai tellement de jeux à faire Ouais, c'est moi. La que. même. La même. J'ai les Bon, mêmes voilà. soucis. La même. Il n'a pas 36 000 jeux à faire. Ah bah C'est ça. ouais. Et moi, ma liste, évidemment, la liste, elle se rallonge jour en jour. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Tout le Voilà. monde est pas. Tout le monde fait ça, quoi. Bon. Qui veut enchaîner? Moi, je veux bien. Siro? Bah, vas-y. Ok. Alors, je vais Eh ben, passer. toujours. Attendez. Hop. Voilà. Donc, Siro, nous Donc, t'écoutons. moi, c'est une trilogie qui est bien connue sur cette chaîne parce que ça a été fait, je crois, si je me souviens bien, avec d'autres personnes ici. C'est en cours, en plus. C'est en cours, donc je vais éviter de trop spoiler pour certaines parties. Oui, bien sûr. Mais bon, tu peux nous parler en gros, quoi.
Mais ouais, du coup, mon plus gros coup de cœur, ça a été la série, enfin la trilogie de jeux Danganronpa. Vraiment, ça a été. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un gros joueur. Les jeux que je faisais le plus souvent, c'était sur les consoles Nintendo. C'était soit du Pokémon, soit du Mario Kart, soit du Professeur Layton. Et le truc, c'était que j'aimais bien le style de Professeur Layton, mais avoir des énigmes toutes les 5-10 minutes qui n'ont rien à voir à l'enquête, au bout d'un moment, ça coupe un peu dans l'élan du récit. Ouais, logique. Et puis vient le moment où je peux commencer à jouer sur ordinateur. Et bien entendu, je n'ai absolument aucune idée de ce qui se fait sur ordinateur. Je suis totalement newbie là-dessus. Et il y a un de mes amis qui est venu me parler, vu qu'on aimait bien les visual novels, qu'on en discutait un petit peu, que je lui disais, ouais, j'en ai fait plusieurs sur DS, tout ça, mais je ne sais pas s'il y en a sur ordi. Il m'a dit, bah écoute, j'en ai fait un sur ordi, il s'appelle Danganronpa. Et très franchement, j'ai commencé à jouer, j'étais tout de suite plongé là-dedans. Mais il n'était pas aussi sur PSP, Danganronpa? Je crois qu'il est sorti sur PSP à la base, ouais. Oui, il me semble. Hein. Il a été remis après sur PC, mais à la base, il était sur PSP, il me semble. Ouais, mais si tu veux, mes seuls jeux sur PSP, Ah ça oui, a non, été non, Invisimals non, et... non. Oui, non. Il n'y a pas de souci, c'est pas que je te corrige, parce que comme tu nous parles de PC et tout ça, mais je dis, il me semble qu'avant, il Ah était sur oui, console. Mais tu avais bien précédé qu'avant, tu jouais sur Nintendo, donc c'est pour ça, en fait. c'est ça. Oui, c'est pour ça. Mais c'était juste pour Pour moi vérifier, compléter. parce qu'il me semblait que parce que moi, je l'avais sur PSP avant de l'avoir sur PC. Donc c'est pour ça que je voulais D'accord. juste vérifier, c'est pour ça. C'est pour compléter. Mais ouais, du coup, moi je l'ai découvert sur PC. Et le truc, c'est que l'histoire est tordue. Oui, Et quand oui. c'est tordu, j'aime. Oui. En fait, c'est vraiment con, mais le fait que l'histoire soit ultra tordue, mais qu'elle soit cohérente avec ce qui s'y passe à l'intérieur, que derrière les énigmes, l'enquête, ce soit lié à l'histoire et que ce soit pas des trucs qui n'ont rien à voir, ça a fait que très vite, très très vite, j'ai accroché au jeu. Vraiment, je me suis mais régalé à faire le premier. Que j'avais bien sûr téléchargé tout à fait légalement. Bien Hein. sûr, il Oh l'avait non. acheté. Bien sûr Oui. qu'il l'avait acheté. Bien Hein. Bien sûr. sûr. Et de Oui, quoi? bien sûr. Ne faites pas ça, les gens. C'est C'est pas pas du tout. bien. Faites pas ça. C'est pas bien. C'est pas du tout mon ami qui m'avait passé Non, le jeu Dixit, en c'est toujours dossier, donc pas du craqué. tout. Ça. Dixit, Ah c'est toujours non, sur mais non, mais personne émulateur. ne fait ça. Bah non, Dixit, c'est toujours sur émulateur. Non. Non, pas du Pas du tout. Faut pas que vous parlez. Faut pas que vous parlez. N'est-ce pas, Q? Non, faut pas que tu parles. Personne m'a vu, voilà, personne m'a vu, je suis innocente. C'est la fuite, la fameuse. Hey, de toute Mais façon, ouais. je joue sur émulateur, mais j'ai les jeux originaux, donc je suis pas en illégalité. Pas Parce pour le qu'au moment. Pas pour moment, le moment. il y a certains jeux. Il y a certains jeux pour les avoir en physique Ouais, maintenant. on est d'accord. Hein. Et puis de toute façon, Oui, c'est compliqué. on est dans la période du digital, donc. Siro, continue. Oui. Oui, du coup, je continue. Oui. Du coup, j'ai fait le premier, je l'ai terminé quand même assez rapidement. Il faut savoir que je jouais pas souvent très longtemps, je faisais souvent des parties d'une ou 2 heures, et puis après, je m'arrêtais pour aller regarder des vidéos, ce genre de choses. Danganronpa, ça a été le premier jeu, je crois, un des premiers jeux où je l'ai poncé, je pense, en 2-3 séances. Vraiment, j'étais à fond dessus. Et je termine le premier et je suis en mode merde, j'ai envie de faire. J'ai envie de faire d'autres jeux comme ça. Et j'ai J'en veux été. plus! Encore! Ah oui, non, mais Toujours. vraiment, toujours plus, hein, surtout Danganronpa, avec tout ce qui est twist de fin, bonus après le jeu, ce genre de choses, ça C'est m'avait vrai, c'est vrai, régalé. c'est vrai. Et c'est là où je découvre mon jeu préféré, celui qui m'a fait le ressentir le plus de choses. Danganronpa 2. C'est très con, mais disons que il y a
Ce jeu a fait que j'ai adoré passer mon temps dessus. Et ce jeu m'a fait découvrir ma première waifu. Faut savoir qu'avant ça, je n'avais aucune waifu. Donc, c'est-à-dire, très très tard, hein, j'étais vraiment en mode Oh, ce personnage est sympa. Nyeh. C'était Et qui? puis, Chiaki Nanami. Voilà. Ah, c'est qui? Évidemment. Évidemment! On évitera tous les spoils, hein, bien entendu, Oui, mais on évite les disons spoils. Surtout que. que dans Danganronpa 2, on est en train de le faire, donc on évite les spoils. Oui. Mais tout simplement, c'est le premier jeu où j'étais. Il y avait des personnages que j'adorais. Il y en a d'autres qui me cassaient les pieds Il y en a pour être toujours. poli sur celle. Il y en a Ouais. toujours. Oui. Mais il y en a un en particulier qui a un comportement, j'ai envie de l'éclater. Et en même temps, je me dis, mais c'est bien écrit, bordel, pour que j'ai envie de l'éclater à ce point. Et c'était dans. C'est, le jeu, c'est dans la manière où l'histoire est racontée. Il y a une sensation de suite, mais en même temps, comme t'es dans le même flou que les personnages, tu découvres en même temps ce qui se passe. Et c'est le premier jeu où. Bon, bah. Donc, Danganronpa, vous savez, il y a des gens qui sont sur une île, soit enfermés dans un lieu, soit enfermés, qui n'ont pas possibilité de s'échapper. Et de temps en temps, il y a des meurtres qui sont commis, il faut résoudre l'enquête, et ça termine par une exécution du meurtrier, très souvent. Et le truc, c'est que c'est le premier jeu où. Enfin, c'est. Danganronpa 1, je l'ai fini, je me suis jamais arrêté. Danganronpa 2, c'est le premier jeu. Enfin, c'est le jeu où il y a eu une exécution, où je savais qu'elle allait avoir lieu. J'ai arrêté le jeu. Je pouvais pas jouer pour continuer l'histoire. J'étais vraiment en mode, j'ai tellement envie que. J'ai tellement pas envie que ce soit ces personnages-là qui y passent parce que bah, j'avais un affect trop intense avec eux. Et vraiment, pendant un moment, j'étais en train de chialer. J'étais les larmes aux yeux en mode, mais j'ai pas envie de continuer le jeu. Je veux que ça se passe bien. Je vais passer un trailer de Danganronpa 2 si tu veux bien. Vas-y, vas-y. Même si je sais bien qu'on le fait sur ma chaîne, mais allez, tant qu'on y est, hein. Tout le monde aura très autant entrer, hein. Et je vais mettre le son de live. Pareil. Cette musique! Ah oui, c'est une catastrophe. But when the party started, nobody saw you, you know. Après, on me demande pourquoi je me mets en jambes, mais. No, that's wrong. Now then, ça dépend des jeux. Voilà, par contre, l'anglais, j'avoue que. Et puis la voix de Monokuma en jap, elle est trop bien. Things are starting to get exciting. Oh, y a des jeux où le doublage japonais est clairement meilleur. Non, mais de toute façon, faut savoir que la voix de Monokuma en Jap, elle est géniale. Oui, tu peux pas faire dans les grands pas sans la voix Jap de. je veux bien le croire. Ah oui, quand il Ah non, rit. mais. Ah bah oui, non, mais c'est iconique. Ah oui, c'est Et iconique. le truc, c'est que vraiment, ça a été la première licence où j'ai totalement accroché. J'ai totalement accroché sur la façon d'écrire, sur le style de jeu où il faut pas farmer en continu pour avancer dans l'histoire. C'est vraiment une histoire que tu vas vivre
et que tu peux faire évoluer en fonction de tes disponibilités. Et vraiment, Danganronpa 2, ça a été, ça a été coup de foudre. J'étais en mode, mais putain, mais ce jeu, cette licence est excellente. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Spike Chunsoft, le créateur, enfin, ceux qui ont le studio qui a fait ce jeu, est à l'origine des jeux que d'une autre licence de jeu que mon frère adore, et ce qui est très très drôle, les Pokémon Donjons Mystère. C'est vrai. Quelle ironie. Ah ouais, je sais même pas. Donc c'est bien, dites-vous que c'est le studio qui a développé Danganronpa, Pokémon Donjon Mystère. Il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre les deux, mais ils ont fait les deux. Ah bah faut bien de la variété, hein. Ah oui, Ça. enfin, bien sûr. Non mais ils ont fait vraiment. En fait, ils sont vraiment doués pour tout ce qui est, je pense, les jeux avec histoire. Mais ouais, du coup, ça a été un énorme coup de cœur. Ça a été, ça a été. J'ai poncé le jeu. Je le repense quand je peux. J'ai regardé tout ce qui était animation derrière avec C'est vrai qu'il faut savoir que les. Danganronpa a des animés qui correspondent Ouais. à leur jeu. Pas le 2. Non, pas le 2, mais le 1, Crois que c'est oui. que le 1. Il n'y a que le 1 qui a Le 1 a un un animé. animé qui Oui. reprend le jeu. Totalement. Et le 3, le 3, y a des délires avec. Il y a deux animés à suivre en parallèle en même temps. C'est un bordel sans nom. Vraiment. Non, pour le coup, c'est vraiment. Il faut regarder le premier épisode d'une des séries et puis le premier épisode d'une des autres séries, de l'autre Oh série. non. C'est Oh putain, un jonglage entre les deux. Oh Oh, putain, c'est chiant ça. quand on va faire ça avec YouTube, ça va être drôle, tiens. Ah ouais, je vous Personne ne conseille de prend de préparer la partie. liste en avance, hein. Je me renseignerai. Si c'est vraiment trop galère, on le fera peut-être pas, mais voilà. Mais ouais, dans tous les cas, c'était vraiment la licence de jeu où l'histoire, les retournements de situation, les personnages, ça m'a touché et j'étais vraiment à fond dessus. C'est vrai qu'il faut se rendre compte que là où on en est avec Kyo, même si par moments il y a des personnages qu'on se dit ils sont un peu lourds, on a envie de les claquer dans le mur et tout ça, mais d'un autre côté, au fur et à mesure, il y a quand même une évolution des personnages et tu te dis oui, parce qu'au final, on se dit ils ont 15 ans, c'est des adolescents. Donc même si c'est des ultimes et qu'ils ont un tel. Ça aussi au passage, hein, ouais, je suis l'ultime, tout. T'as 15 ans, mec. Tu as 15 ans. Point. Moi, je t'ai donné mon avis sur l'épisode après avoir regardé quelques Mais des maintenant, let's play. non, maintenant, encore une fois, Voilà. je pense que si Rose est d'accord avec moi, dans Danganronpa, ça plaît ou ça plaît pas. Il faut rentrer dans le Oui. délire, en fait. Parce que c'est clairement un délire, en fait. Les Danganronpa, c'est un pur délire, en fait. Donc, il est vrai Ah que oui, c'est. il faut rentrer dedans. Tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans. Ça c'est clairement le truc. Si tu Ça, rentres dedans, je suis d'accord. comme Siro et moi, bah, tu prends un kiff monstrueux. Si tu rentres pas dedans, ça te dégoûte très vite. Je peux tout à fait comprendre. Ça, c'est vraiment. Je suis d'accord. Bon, j'ai pas joué, j'ai juste regardé le début de ton let's play et le début du 2. Et non, moi, c'est pas le genre de jeu que j'accroche. Mais voilà, encore une fois, c'est ce que je dis. Je comprends ton point de vue parce qu'encore une fois, c'est un peu comme mon jeu Shadow Heart, c'est une expérience à vivre en fait. Donc il faut essayer. Si tu rentres dedans, bah vas-y à fond la caisse. Mais. Si tu rentres pas dedans, bah De toute façon, tant pis quoi. je pense que tous les jeux sont comme ça en vrai, Oui, c'est hein. ça, mais c'est littéralement. Mais. Mais autant il y a des jeux où tu te poses pas la question, genre Spyro ou Crash Bandicoot, tu te poses pas la question, c'est un platformer, Voire t'as même les bon, c'est. Mario. Voilà, Voire les Mario, c'est vraiment voilà, du c'est des jeux comme platformer, il y a des jeux comme du ça, jeu bah, les jeux touchable. simples, les jeux simples comme ça. Mais Voilà. généralement, les jeux plus complexes C'est comme ça. ça, c'est à l'appréciation, quoi. C'est ça, il faut totalement rentrer dans le délire, en fait. Si tu Voilà. rentres pas dans le délire de Danganronpa, c'est pas la peine, quoi. Ça, moi, typiquement, déjà, je suis pas fan de visual novel. Et en plus de ce que je regardais dans Let's Play, les personnages, je les trouvais tous insupportables. Mais Et. c'est des clichés, encore une fois, c'est des caricatures, hein. Mais je trouvais que c'était un C'est peu des trop clichés. exagéré quand même. Mais justement, C'est c'est le le but. but, c'est le but justement. On est clairement dans un truc Ah, mais un peu j'ai délire compris et que tout c'était ça. le. Mais J'ai oui. compris que c'était le but, mais. Comprends-le, c'est le C'est pas mon but. délire, Voilà, c'est quoi. ça. C'est pas ton délire, on peut comprendre. Mais oui, il faut se rendre compte que on se dit, waouh, celui-là il est insupportable, il en fait trop. Oui, ils en font tous trop, justement. Parce que
Je suis désolée, mais quand on voit le mec là, je suis l'ultime entraîneur, j'ai entraîné les meilleurs. T'as 15 ans, mec. T'as 15 ans. Ouais, ça veut... il a tout sauf le physique d'une personne de 15 ans. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir comme des stéréotypes poussés à l'extrême. Parce que c'est ça, ils sont là, je fais je suis le meilleur cuistot, je suis l'ultime cuistot. T'as 15 ans, mec. T'as 15 ans. En fait, c'est ça mon problème, c'est avec cette série quand je regardais Télésprit. C'est. En soi, l'histoire est super sombre, quand même. Parce qu'on parle quand même d'un jeu de la mort, quoi, en gros. Mais derrière, oui. En fait, les personnages sont tellement caricaturaux que j'arrive pas à prendre le jeu au sérieux. Et moi, ça. Mais en fait, le truc, c'est que. Mais en fait, il faut pas le prendre au sérieux, le jeu, justement. En fait, le sérieux, tu pourras jamais le prendre avec ce jeu. Sauf à la fin où le jeu va te dire en fait, il s'est passé ça. Et depuis le début, tu t'es fait avoir comme une. Comme les autres personnages dans le jeu. En fait, le joueur est en partie pris dans le jeu en mode bah, t'es pas au courant comme les autres personnages, tu vis la situation comme les autres personnages, et t'es tu pas vas dans l'excès. C'est ça, tu vas découvrir en même temps qu'eux, en fait. Parce que je vois le pute. C'est vraiment le principe, c'est un peu comme avec FF10 et Tidus, où dans ce moment-là, t'as vraiment, tu découvres tout en même temps qu'eux. Le but dans Danganronpa 1 et 2, c'est qu'ils ont perdu leurs souvenirs, donc ils se rappellent absolument de rien, de pourquoi ils sont là, de pourquoi on peut pas sortir, de qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et toi, t'es pareil, tu débarques, tu fais qu'est-ce qui se passe, où je suis, tout ça. Donc toutes les informations qui vont les prendre au trip vont te prendre au trip aussi, parce que c'est vraiment une information que t'es « Oh putain, d'accord !» C'est pas une information où tu savais qu'il y avait un des persos qui avait été déjà au courant. Non, t'es vraiment dans le même, comment dire, même spectre de découverte. Ouais, le même bateau. T'es vraiment en mode ah bah tiens, je vis ma vie de random parmi eux qui sont tous plus exagérés les uns que les autres. Et puis là, on apprend. On apprend une nouvelle, on réagit tous d'une certaine façon, et bah, au bout du jeu, au bout d'un moment, quand tu le joues, t'es en mode mais, je comprends pourquoi ce perso réagit comme ça, parce que je l'ai vu réagir avant de manière similaire, ou le perso que tu incarnes, à chaque fois dans les jeux, il n'est pas dans. Il n'est pas un truc extrême en mode complètement. Impossible à se mettre dans la peau. C'est pas un perso comme je sais pas, je dirais les comment ça s'appelle déjà le jeu de gangster enfin de Yakuza. 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 Eh bah oui, Yakuza en fait. Oui, c'est le principe que ton personnage, bon, dans le Danganronpa 1, on sait clairement, c'est clairement annoncé qu'il est le chanceux ultime, c'est lui qui a été choisi au hasard pour rentrer dans l'école, donc lui, il n'a pas de talent particulier. Dans Danganronpa 2, on ne sait pas, parce qu'il a perdu la mémoire, et même son talent, il ne le connaît pas. Donc, est-ce qu'il est, comme dans le premier aussi, juste un chanceux, ou est-ce qu'il a réellement un talent? On ne sait pas, mais comme lui-même ne s'en souvient pas, il se considère comme normal par rapport aux autres, parce que voilà, il se souvient pas de son talent, et lui-même le dit, est-ce que je suis comme les autres, ou est-ce que je suis juste random, pareil, et tout ça. Donc tu te considères, tout comme lui, tu te considères comme une personne random, et donc tu t'attaches facilement au personnage principal, en fait, puisque c'est vraiment le principe du, bah oui, je suis pas forcément exceptionnel, je suis juste moi, voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, tu joues un personnage techniquement random, en fait, contrairement aux autres qui... Ben, sont plus hauts que toi, entre guillemets, même si, voilà, hein, mais bon. Et donc, c'est tout à fait ça qui m'a fait plonger dans le jeu, et, pour ceux qui se posent encore la question, je suis pas un farmer chinois, de vraiment jouer à Pokémon, ça me casse les couilles. Moi, ce que j'aime, c'est l'histoire. Et un clash pour Pokémon. Un. Et un clash au passage. Un. Non, mais je vois le. Vois en quoi c'est attrayant comme jeu, mais c'est, voilà. C'est pas mon délire. Oui, encore une fois, c'est le délire. Il faut rentrer dedans. Tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans. Ça, c'est, oui. ça, c'est le principe des jeux à histoire. Si tu rentres dedans, tu rentres pas dedans. Donc voilà. Plus rien à ajouter, Siro. Tu as fini avec ton Danganronpa? J'ai fini de donner mon amour pour cette licence, et puis juste Chiaki Nanami, best girl. Elle est géniale. La waifu. Voilà.
Oui, elle est choupinette, elle. Bon, bah merci à toi pour ces informations, ce débat, pas ce débat, que je cherche un mot, j'y arrive pas. C'est pas cette grave. Découverte. Découverte, oui et non, puisque moi je le découvre en live, mais oui, lettre voilà. D'amour. Cette lettre d'amour, voilà, merci. Cette lettre d'amour à Danganronpa. Présentation, merci, c'était le mot que je cherchais. Présentation, merci Dradra. Je suis perdue, ça y est. Et donc, avec quatre têtes, on a du mal à le trouver. Oui, quelquefois. On perd nos mots, ça arrive. Oui, mais en même temps, j'ai aussi des petits renardos qui s'amusent à jouer avec mes pensées, donc c'est pas évident de les trier au bout d'un moment. Ah bah, excuse-moi. Bon, avec tout ça, Nezouk, Neo, qui veut se lancer maintenant? N'importe, je peux. Ne vous battez pas. Je sais que Nezouk, il est timide, mais. Vas-y, Neo. Vas-y. Il veut passer en dernier. Nezouk, il dit plus tard je passe, mieux ce sera. Ah, c'est pas forcément vrai, hein. Normalement, c'est plus tard on passe, plus on stresse, plus. Alors, découvrons de quoi Neo veut nous parler. Alors, après des cadavres, après, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus simple. Je connais. On va aller sur beaucoup plus simple, beaucoup plus. J'ai entendu parler, ça. Beaucoup plus tranquille, voilà, beaucoup plus posé. Je vais laisser le Ah, mais c'est professeur Layton. Oui, tout à fait. Exactement. Du coup, mais aujourd'hui, moi, je pars sur Hat in Time, juste pour mettre en contexte. Au moment où je l'ai découvert, c'est que j'avais refait Sunshine avant, enfin Mario Sunshine juste avant. Et parce que généralement les plateformers, j'ai de mauvais souvenirs quand je suis enfant parce que je suis pas forcément très très doué. Et finalement, Sunshine, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais. Et j'avais ce jeu qui traînait dans ma ludothèque depuis un bail, en fait. Pourtant, j'ai envie de dire le Mario Sunshine niveau plateforme, c'est pas un des meilleurs, hein, techniquement. Oui, c'est pas l'un des meilleurs, ça c'est clair. Mais du coup, je me suis dit, ça va, j'ai l'air de me démerder. Allez, je vais tenter pour voir. Finalement, j'ai tenté, j'ai fait plus que le tenter. Finalement, je l'ai terminé. J'ai terminé poncé, en fait. Le 100%. Donc, presque 100%. Pas alors. Non, mais il est pas évident à faire le 100% sur Rotten Time. L'ayant fait aussi. Surtout avec les DLC, il est chaud à faire le 100%. Oui. L'ayant testé moi aussi, il est pas évident à faire le 100%. Vas-y. Parce que du coup, oui, Hat in Time, c'est un jeu plateforme à 3D. Bon, jusque-là, tout va bien. En fait, Hat in Time, alors c'est un jeu qui était en crowdfunding, si je dis pas de conneries, normalement. Finalement, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sorti il y a quelques années, mais qui reprend les codes et on retrouve les mêmes sensations qu'on pouvait retrouver justement avec, par exemple, Mario Sunshine. On a vraiment un platformer qui est très bien maîtrisé. Ce que j'aime bien faire l'amalgame avec la bouffe en règle générale, c'est qu'en ce moment, on nous sert les triple A, on nous sert des plats gastronomiques, tout ça, mais vraiment avec des petits trucs. Finalement, bon, c'est bon, mais voilà. Là, non. Là, on retrouve notre plat de pâte carbonara ou de bolognaise, mais pas juste celui qui coûte pas cher. Non, bien travaillé, bien mariné. En fait, un plat gastronomique, c'est cool. C'est bon de temps en temps, mais les bons petits plats à maman, c'est toujours les meilleurs. Hein. Et là, c'est le bon petit plat à maman et très bien maîtrisé. Là-dessus, c'est pas le petit platformer. Non, c'est. Alors, le jeu est un peu court. C'est peut-être un de ses gros défauts. C'est que le jeu est un peu court. Général, il y a, hors DLC, il y a quatre grands mondes, on va dire. Parce que le cinquième, on peut un peu le. C'est le monde final, on peut un peu le mettre de côté. Il y a quatre mondes juste avec le. Hors DLC. Et il y en a un total, en fait. Au lieu de récupérer des étoiles comme Mario, là, c'est des. C'est des sabliers qu'il faut en récupérer. Il y en a 40 à récupérer hors DLC. Donc, en soi, on a l'impression que le jeu peut être assez court. Après, il demande quand même un petit temps. Mais finalement, niveau plateforme, certes, on retrouve les sensations qu'on avait à l'époque, mais il reste quand même extrêmement fluide. L'héroïne, du coup, qu'on incarne, c'est Hat Kid. Elle n'a pas vraiment de nom, d'ailleurs. Non, elle n'a pas de nom, Hat Kid. Elle n'a pas de nom, parce que même quand on la voit signer, elle signe avec des caractères qu'on ne peut pas comprendre. Et son but, le but, enfin, le scénario, bon, ça reste un scénario, on va dire, un peu basique. Hein, c'est, le scénario est juste un prétexte en règle générale. En fait, le scénario, il est tout court. C'est que Hat Kid se balade dans l'espace, elle rentre chez elle, il y en a un qui tape à sa porte. Dans l'espace, oui, il tape à sa porte, il ouvre la fenêtre et tous les sabliers sont envolés. C'est ça, parce qu'elle passe justement au-dessus de cette ville où il y a justement la mafia, et la mafia réclame un droit de péage. Sauf que elle a dit non. Voilà. Non, pas de péage. Et il brise la fenêtre et puis. Belle.
Ah là, elle s'en va et elle est habillée aussi. Oui, mais cherchez la logique. On est dans l'espace, le mec il tape à la fenêtre. Hein. Oh, attends, c'est un Ah, alors platformer. après, on a sur C'est un un humour. scénario. Oui, Oui, non, mais c'est un scénario claqué. Mais on est après, en niveau de clairement dans l'humour, un humour cartoon. Hein. c'est ça, c'est du cartoon. On voit niveau texture, même au niveau de la musique, tout ça, tout tourne autour, on regarde vraiment sur un thème cartoon et qui reste. Ça là-dessus, c'est un jeu où ça reste. On reste sur l'univers cartoon, c'est pas juste un petit truc et après, on prend, on s'en fout. Non. Ça là-dessus, ça le reste, c'est jusqu'à la fin. Donc, oui, Ça, c'est bah, du faut bonbon. aimer les cartoons, mais bon, moi j'ai grandi avec ça. Comment dire que les Tom et Jerry, Ah je bah, les c'est ponte encore aujourd'hui. des vieux Donc, classiques. j'ai tout de suite adhéré là-dessus. Et bah. Du coup, on découvre le premier monde. Bon, ça reste assez classique, avec la mafia, ça s'est coloré. Bah, certes, on a quatre mondes, mais on a quatre mondes qui sont assez différents. Justement, dans l'univers, enfin, dans cet esprit un peu cartoon, justement, la deuxième image, on est sur le deuxième monde. C'est un monde, ce coup-ci, où c'est un studio de cinéma. Voilà, change de thème. On passe d'une ville extérieure. Là, on passe vraiment d'un studio de cinéma. Et bah. Là, c'est la première mission, donc on est sur l'infiltration. D'ailleurs, ce monde est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de variations finalement. Parce que, bah, vu que c'est le cinéma, bon, on peut se lâcher un peu plus. Bah, c'est le cas. On a entre guillemets deux arcs et bah, finalement, les deux arcs sont assez distincts. Et là, bon, on peut voir, enfin, on la voit pas forcément beaucoup, mais elle est en mode infiltration. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est en mode infiltration? On se prend un peu pour James Bond, un peu pour un espion. Et bah. On voit que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle tient sa main en mode flingue, elle fait des petits bruits de pas. Et on a cet humour qui reste et qui reste quand même ponctu. C'est vrai que pour parler d'un côté cartoon, je me souviens d'une mission dans le monde de la mafia, donc le premier monde en fait, où en fait tu arrives dans ce monde, il pleut, et en fait tu tombes dans la boue, et avec la foudre et tout ça, le mec il te prend pour un fantôme en fait. Donc tu le C'est pourchasses ça. et il te prend pour un fantôme en fait. Donc tu le pourchasses avec Pour un vraiment extraterrestre, il te prend. Ouais. tes yeux un peu brillants, t'es couvert de boue et tout ça, et en fait il s'enfuit quand il te voit en fait, et tu dois le poursuivre. C'est vraiment un côté très cartoon, c'est très drôle. C'est ça. Et bah, d'ailleurs, c'est vrai que Mafia Town, en fait, est très bien conçu. On va dire le premier monde est très bien conçu dans le sens où c'est vraiment un monde didacticiel, entre guillemets. Parce que certes, on récupère nos sabliers, c'est jamais très compliqué. Mais bah, justement, on va nous apprendre à utiliser les sauts. Enfin, à faire les sauts, à grimper au mur. Et c'est vrai que justement, cette mission-là, bah, les sauts vont être un petit peu plus poussés. Mais c'est jamais très compliqué non plus. Mais c'est vrai que le premier monde est vraiment très, finalement très didacticiel. Donc on a l'impression que bon, ça va être plat. Mais finalement, bah, les autres mondes, non. Après, ça va être effectivement, c'est l'univers qui va changer. Le troisième monde. Alors le troisième monde, qui est assez ironique parce qu'il y a quand même une mission. Alors on a l'impression, ah, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est machin. C'est mon préféré. Voilà, c'est alors le monde de la forêt un peu hanté. Alors on reste toujours sur ces couleurs un peu quand même un peu claires, hein. Même s'il y a une mission, par contre. Comment dire que la mission, vous faites pas les fiers en règle générale. Non. C'est la maison Le manoir de hantée et... Vanessa. Ouais, Ah. c'est ça. Le manoir de Vanessa. Comment dire que celui-ci, là, c'est fini le monde tout mignon, tout Ah, je vous pipou. avoue que jusque-là, si vous jouez dans le noir, quand vous arrivez là, vous jouez plus dans le noir. Vous jouez plus C'est dans le ça, là, noir. ouais. Cela, comment dire que la Vanessa, elle n'est pas là pour vous faire des Non, non, câlins. non, non, non. Elle est là pour bien vous buter. Oui! C'est ça. Et elle fait très peur. Et elle fait très peur. Et surtout, bah, qu'en plus derrière, c'est même la musique a changé. Parce qu'on Oui. a toujours des musiques un peu, voilà, un peu légères. Là, non, on a une musique très stressante et qui appuie justement ce côté pression. Là, vous vouliez un jeu d'horreur, bah, ce niveau-là, c'est fini, hein. Vous l'avez, votre niveau d'horreur. Et en Hein. plus, je me rappelle que dans le manoir de Vanessa, en fait, à un moment donné, tu peux trouver des journaux de Vanessa qui te racontent son histoire. Et si t'as le malheur de lire le dernier, comment te dire que si t'as pas sauvegardé avant, t'es mal? Bad Ah oui. ending. Ah oui, mais ben, c'est pour ça, en soi, ce jeu, c'est que enfin, de loin, comme ça, de surface, on a l'impression, bah, voilà, c'est juste un jeu de plateforme. Mais finalement, si on va vraiment creuser, parce qu'il y a des niveaux secrets, en fait, il y a ce qu'ils appellent des failles temporelles. Et dans ces failles temporelles, du coup, on peut récupérer des images qui nous racontent des histoires, et on voit, du coup, dans chaque monde, du coup, le scénario enfin, on a, du coup, un bout de lore. Et bah du coup Vanessa, on a un bout de lore qui nous explique d'ailleurs aussi un autre personnage. Et bah on voit que finalement la Vanessa, oui, on va vraiment pas être copain avec elle, hein, ça c'est clair et net. Hein.
Ça, Même son petit copain, il l'a senti passer, en fait. Hein. En fait, techniquement, si tu rushes le jeu, bah oui, c'est un petit jeu de plateforme sympa et tout ça, mais si tu cherches réellement tous les secrets, en fait, chaque monde a son lore, en fait. Chaque monde a vraiment son histoire, bien et tout. Et au final, c'est assez bien écrit, pour le coup. Mais comme quoi, il faut chercher les secrets pour vraiment tout découvrir. C'est ça. C'est souvent comme ça. Et bah, c'est vrai que le quatrième monde, du coup, est un peu, pas un sort de medley, mais on a vraiment le quatrième monde. Lui, c'est vraiment de la plateforme. Mais c'est un immense monde à ce niveau-là. Là, c'est pas juste vous avez votre sablier, vous partez, vous revenez. Non, il y a quatre sabliers, vous allez vous balader. Hein, ouais, et vous allez faire tout le temps. Enfin, là, vous êtes libre. Là, il n'y a pas de souci de scénario, machin. Et il est assez grand. On va dire, oui. Ce monde-là, par contre, pour l'explorer, il va être assez grand. Là, je me suis perdu. Il est assez vertical, finalement, en plus. C'est donc, le gros best-of. Moi, je me suis perdu dans ce monde à nombre incalculable. Ah oui, mais on se perd comme pas possible. Ah, c'était une calamité. C'est ça. Alors, après, effectivement, c'est dans ce monde-là qu'on commence à avoir certains défauts, comme on peut voir dans les jeux des années 2000. C'est la caméra. Oui, oui. La caméra qui, au début, vous emmerde un peu, mais ça va. Mais dans ce monde-là, on se trouve parfois avec des sauts très millimétrés. On se retrouve avec la caméra. La caméra bouge, fait quelque chose. Et il y a le niveau dans le moulin, par exemple. Oui. Y en a un dans le moulin avec des caméras qui sont fixées. Et... on est là en mode, non mais la caméra bouge, je ne vois pas là, je ne comprends pas. C'est ça, caméra, tu ne filmes pas au bon endroit, je ne vois pas où je vais. C'est ça, c'est tu sautes, mais tu ne sais pas si tu vas atterrir sur la plateforme parce que la caméra te cache la plateforme. Et bon, ça reste un problème, comme je dis, qu'on voyait dans les plateformes des années 2000. Donc en soi, c'est un défaut, mais c'est pas, on va dire, il ne vient pas écraser non plus. Mais c'est quoi, c'est une caméra fixe ou tu la déplaces Non, on peut la déplacer, mais en fait, quand on se retrouve dans des lieux un peu exigus, la caméra se bloque. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que la caméra est movible et tout ça, mais quelquefois, dans des petites zones comme le fameux moulin où tu as des angles droits, enfin des murs en angle droit, la caméra va se fixer à un coin et elle ne bougera plus, en fait. D'accord. C'est ça, donc, parce qu'il n'y a pas le système de caméra qui, on va dire, te regarde au travers du mur. C'est-à-dire que le mur, s'il est là, tu ne vas pas pouvoir mettre la caméra derrière le mur. Ça, c'est un problème qui revient souvent dans les jeux en 3D, ça. Ah, ça, c'est le grand classique, ça. Oui, c'est le grand classique, mais en soi, c'est vrai que c'est handicapant à quelques moments, mais en règle générale, on ne trop pas. En général, c'est juste quelques niveaux comme ça, mais globalement, dans le jeu, la caméra, elle est correcte. Hein. Oui, c'est ça, la caméra n'est pas forcément embêtante, hein, elle nous embête de temps à autre, mais ça va encore. Il y a pire, finalement. Totalement. Je voulais en venir là-dessus. Et après, du coup, il y a un cinquième monde. Mais le cinquième monde, c'est un petit peu comme on avait pour Mario 64 ou pour Sunshine. Je ne l'ai pas en image, du coup. Ah. C'est plus une. C'est un monde de Bowser, en fait. C'est juste la caverne. Comment ça s'appelle dans Sunshine? J'ai oublié. Mais en gros, c'est dans le volcan, par exemple, c'est que de la ligne droite, mais c'est que du plateforme, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de final, il faut juste aller à la fin avec le boss final. Et justement, en parlant de boss, il y a une chose par contre qui m'avait vachement surpris, et ça là-dessus, je crois que mon boss préféré reste celui, le deuxième dans la forêt, c'est juste pour les musiques. Parce que ça là-dessus, At In Time a fait un très beau boulot, c'est au niveau de l'OST, oh, oui. Elle est juste magnifique. Elle en fait pas trop, elle en fait ce qu'il faut. Et c'est vrai que les musiques de boss, et du coup, le dernier de la forêt, donc avec le fantôme, comment dire que j'étais parfois pas forcément... j'avais pas du mal à me focus parce que ça bougeait en tous les sens. Non, j'étais du mal à focus parce que j'étais en train d'écouter la musique. J'étais en train de profiter de la musique, en fait. Donc j'avais du mal à me concentrer sur le reste du jeu, en fait. J'ai eu la même putain. Ah ouais, non, mais c'est l'OST, elle est juste folle. Il y a des passages, c'est complètement taille, quoi, littéralement. Par contre, il y a un truc auquel t'as pas parlé, donc je me permets. Faut aussi savoir que At In Time, elle a, entre guillemets, un pouvoir, c'est qu'elle s'appelle At Kid, donc la fille au chapeau. Oui, j'ai oublié les chapeaux, effectivement. Et en fait, à un moment donné, vous récupérez des pelotes de laine, et avec un certain nombre de pelotes de laine, vous créez des nouveaux chapeaux. Et en fait, chaque chapeau a un pouvoir particulier. Vous avez un chapeau qui vous permet... Il y a six chapeaux au total. Voilà. Vous avez le chapeau qui vous permet de sauter, le chapeau qui vous transforme en glace à certains endroits et qui donc vous permet de vous catapulter à d'autres endroits. Il y a vraiment des chapeaux... En fait, il y a des missions. Si vous n'avez pas le chapeau en particulier, vous ne pourrez pas faire la mission. En fait. Donc, il faut vraiment... Je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment des moments où il faut... le 100%, c'est il faut chercher toutes les pelotes de laine avec certaines qui sont bien cachées, quelquefois.
Ouais, alors ça dépend dans quel 100%. Ça, en fait, le 100% comme on voit dans le, enfin dans la page de sélection, ça compte, je crois, quasiment uniquement que les sabliers. Ouais, mais moi quand je parle Parce que... 100%, moi quand je parle 100%, je fais tout, je récupère aussi Ah des objets de oui, laine. il y a pas que ça, et finalement, parce qu'en plus derrière, il n'y a pas que les chapeaux, il y a aussi, alors, il y a un système de personnalisation à laquelle on peut changer notre couleur, C'est et tout ça. cela, c'est en récupérant des jetons. Et bah Aussi. pareil, les jetons, bah, pour les récupérer, bah, c'est pas comme les sabliers où c'est un peu la ligne droite où ça passe. Non, c'est que parfois, les jetons, ils sont super bien planqués, ils sont planqués à des hauteurs qui sont bien ardues à y aller. Donc finalement, et c'est ça qui est bon bien dans ce jeu, c'est que finalement, c'est que c'est pas juste, on récolte juste un truc. Non, c'est qu'il y a plein de choses à récolter et il faut explorer toute la zone. Et généralement, l'exploration est souvent récompensée. C'est-à-dire, ah bah tiens, cette zone-là, je la connais pas, tiens, je vais aller voir. Et à force, il y a toujours quelque chose qui C'est ça, traîne. en fait, Mais c'est pas juste, c'est posé là-devant. Non, c'est faut quand ça, en même aller fait, le chercher. tu vas pas te faire chier à escalader une immense montagne pour rien. En général, si tu peux aller là-haut et que tu réussis à y aller, c'est qu'il y a un truc à récupérer. C'est ça. Allez, Si c'est pas un tablier. Ouais. oui, si c'était pas un sablier, ce sera une pelote de laine, ce sera un jeton, c'est un truc à récupérer. Vous allez regarder le petit trailer, hein. C'est aussi un jeu que j'ai découvert et que j'ai Welcome to beaucoup yet aimé another aussi. day of space Voilà, adventure. regardez! Ah, scénario de base, mais ça marche. Un scénario de base, mais ça marche, faut pas plus. Scénario de plateformeur. C'est ça. Point prétexte. En plus, pour un. Ah bah tiens, le fantôme. Oui. Pour un décor cartoon, c'est très beau, moi je trouve. J'aime beaucoup ce décor. Ah Moi j'aime bien oui. la direction artistique là, vraiment. J'aime On est ça. un petit peu en train. Parce que je regardais, j'avais vu les bêtas, et au niveau des bêtas, en fait, ils s'étaient basés à l'origine sur Wind Waker, d'ailleurs. Donc on est Oui, sur un ça, self oui. shading. Ils ont gardé ce côté self-shading finalement, et ça marche super bien en fait. Bah, C'est pas déjà mal. pour un scénario cartoon, ça passe bien. Voilà, on voit certains pouvoirs des masques d'ailleurs. La direction artistique, elle est vraiment bien. Ouais, Ah j'aime oui. beaucoup. Moi, en fait, c'est ça qui m'a motivé à y jouer, c'était la direction artistique, en fait. J'avais beaucoup aimé le dessin et je dis, je veux le tester juste pour voir le dessin. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut jouer en coop d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on peut jouer en coop maintenant en plus. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town. Ce combat de boss en 2D, ça me rappellerait Rayman. Ouais. Ça, il y a un boss de Rayman qui est comme ça, qui est sur une espèce de scène de Mais théâtre. oui, dans Rayman 1, justement, la cantatrice. Ouais. C'est pour ça que je disais que ce combat en 2D de boss me rappelait Rayman. Ah! Ce pauvre, ce pauvre aspirateur robot, qu'est-ce qu'on peut le martyriser celui-là? Mais qu'est-ce qu'on aime le Mais combien martyriser? de fois j'ai pas grimpé dessus pour tomber par terre Bon, comme mais ça? non, mais c'est pareil, à chaque fois, hop là, je fais mon chat, je monte dessus. Oh, Alors... vous êtes sadique. Le Et après, bah, Roomba, ouais. du coup, et après, au même au-delà, c'est que bah, il y a deux DLC. Alors, le premier DLC, enfin, les DLC sont toujours coupés en deux un peu. Le premier DLC est coupé en deux, alors donc il y a un nouveau monde et bah, il y a aussi un nouveau mode. Le premier monde, au stand, c'est une histoire de croisière. Ah, c'est celui-là. Il n'est pas fameux. Très Non. honnêtement, ce DLC, il n'est pas fameux du tout. Non, Au c'est le contraire, je trouve qu'il est chiant. Ouais, c'est le dernier qui est vraiment intéressant. Oui, sire. C'est ça. Donc, on a l'impression que c'est des idées qu'ils avaient, qu'ils ont mis de côté, en mode ouais, bof. Et finalement, bah, il n'est pas bon du tout. Mais par contre, on a un autre mode qui est du coup avec le fantôme, qu'on retrouve directement dans notre chambre, littéralement, il squatte, hein, qui va Ah nous oui. proposer des missions, qui va nous proposer de refaire les niveaux plus rapidement, plus difficilement, avec un seul cœur. En fait, Qui eux, par contre, vont être en beaucoup fait, plus c'est durs, challenge quoi. beaucoup plus. Ouais, c'est ça, il y a un en fait sacré pour le challenge derrière. en fait Et pour là, par contre, il faut illustrer maîtriser le jeu quasi à la perfection, en quoi. fait Néo, pour illustrer les challenges du fantôme, c'est un peu comme dans Mario Galaxy quand vous avez les comètes. Oui. Dans Mario Galaxy, quelquefois, il y a des comètes qui apparaissent. Et quand une comète apparaît, c'est ça, c'est réussir le niveau avec un seul cœur, fais-le le plus vite possible. C'est un peu ça, en fait, les challenges. Et il y en a, je vous assure. Oh oui, non, il y en a les... Il Bon, le y en a, côté... vous allez envoyer votre switch dans le mur. Hein.
Ah oui, parce qu'il y en a, il faut demander à être extrêmement rapide. Il y en a qui modifient un petit peu, parce qu'il y a un niveau, par exemple, où on doit parcourir les toits. Enfin, c'est pour le côté. Enfin, c'est dans le monde 2, donc côté cinéma, où il va falloir. Il y a une sorte de fête, et tu es sur les toits, et tu as des danseurs, enfin, tu as ceux qui jouent de la musique, ils sont derrière toi. Donc, dans le mode normal, tu en as une dizaine. Ouais, dans le mode avec le fantôme, t'en as une cinquantaine derrière toi. Oh Donc comment putain. te dire que avant que les mecs ils aient fini de passer, bah t'attends de faire le tour. Hein. C'est ça. Et tu dois gérer les 50. Et bah c'est pas forcément évident quand t'as que 4 vies, Oui, finalement. oui, C'est pas 8, hein, comme dans les Mario de l'époque, c'est 4, et bah c'est pas forcément évident par moment. Et après, effectivement, il y a eu un second DLC qui est du coup le Nyakuza, donc retour des Ah, le chats. Yakuza! D'ailleurs, la tenue que l'héroïne porte vient de là, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que j'ai eu la flemme de changer pour les captures d'écran. Et là, pareil, on revient par contre sur un monde ouvert, comme on avait pour le monde de la montagne, à laquelle bon, on est libre de faire ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Enfin, non, si je dis pas de bêtises, parce Si, qu'après, il y a une on... histoire de passe. Ah non, non, on peut... Oui, Et. y a un pass qui se débloque au fur et à mesure, mais techniquement, tu peux aller quasiment où tu veux et faire les missions dans l'ordre que Ouais, tu c'est veux, ça, en hein, fait. si je me trompe pas. Et puis voilà, bah, Nyakuza, il y a quoi de faire, hein, le félin. J'ai pas capté le nom d'ailleurs, je viens de le voir, le nom de la boutique de bijoux. Le Donc félin. on nous prend un peu pour une. À ce moment-là, il y a un petit couac, hein, finalement. On pense qu'on récupère les sabliers pour le compte de madame là, qui travaille dans le félin. Donc non, pas du tout. Il Donc à travaille la dans le place, elle salon. fait de l'oseille. On finit avec plein d'oseille. C'est une arnaque, quoi. C'est ça, mais d'ailleurs avec un final de ce niveau, Bien c'est joué. généralement les niveaux n'ont pas forcément de grand fi enfin non pas de forcément de scène finale, mis à part un boss en règle générale. En fait, Celui-ci n'a pas vraiment de boss, mais par contre a une zone finale avec la musique qui va en plus derrière. C'est t'as un peu angoissé quand même, un peu stressé, mais ça marche super bien en fait. Il faut voir que les différents mondes de Hat in Time n'ont pas, comme tu dis, de grand final, parce qu'en fait, il faut les voir un peu comme des mondes à la Mario 64, en fait. C'est un peu des tableaux, en fait. C'est vraiment des tableaux. Tu vas, entre guillemets, dans un tableau, on te dit, le sablier, il est là. Tu vas le récupérer, t'as fini, tu passes au suivant. Et quand tu passes au suivant, soit la ville est modifiée, soit il fait nuit, soit il y a une inondation, soit il pleut. Mais voilà, c'est vraiment, en fait, chaque mission, en fait, a vraiment un tableau bien spécifique, avec une mission bien spécifique et tout ça, C'est ça, il y a et des que le trucs à monde faire. 4, il y a que le monde de la montagne et celui du métro qui dérange à la règle à ce niveau-là. C'est ça, en fait, parce que eux, c'est vraiment des mondes ouverts. Sinon, les autres, c'est vraiment des trucs par tableau, en fait, par mission. C'est ça. Bon, après, ça n'empêche pas pour certaines missions, il y a certaines choses, bah, justement, comme les jetons, les pelotes, bah, ça en soi, ils ne changent pas d'un niveau à un autre. Donc, on Non, peut c'est les ça. récupérer un peu quand on veut, en fait, C'est ça, finalement, ça. c'est totalement ça, ouais. Après, il y en a qui sont plus faciles à récupérer dans certains plateaux de mission, mais malgré tout, tu peux les récupérer dans n'importe lesquels, en fait. Oui. Mais voilà. Mais ouais, donc du coup. Bah, c'est pour ça, la première fois que j'ai testé Hunt in Time, bah comment dire que j'ai à peine coupé le jeu, que j'avais déjà acheté les DLC derrière en fait. Donc ça résumait très bien finalement que bah, le jeu m'a très bien happé direct. Et bah là, même pour l'occasion justement, les captures d'écran, je les ai faites Avec ta directement console. par moi. Et bah finalement, bah, je me suis pris bah, juste à partir, bon je fais juste 2-3 captures d'écran, bon bah finalement, oh, il reste peut-être des jetons à récupérer. Allez hop, et je suis reparti 2-3 heures là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il a mis Voilà, autant de temps à me les envoyer, en fait. c'est ça. Non, mais en fait, Hat in Time, c'est con à dire, parce qu'en effet, c'est juste un petit... On pourrait se dire, c'est juste un petit jeu de plateforme à la con, mais une fois qu'on s'y met, on a du mal à s'en décrocher, en fait. C'est ça parce que bah, elle est hyper fluide. Alors parfois elle est un petit peu trop nerveuse parce qu'il faut pas stresser avec elle, hein, parce que si tu commences à stresser, elle va partir dans tous les sens et tu vas surtout louper tout ce que tu avais envie de faire. Parce qu'elle répond vraiment au doigt et à l'œil, par contre. Ça là-dessus. Ah, elle est très obéissante, ça c'est sûr. Ça, c'est Ça, c'est bien. sûr. Et du coup, on a un système quand même enfin, qu'on ne voit pas forcément dans les Mario, entre le saut et le dash, qui est bah, tout très bien équilibré. Et qu'on arrive à maîtriser, finalement, on peut aller assez loin au niveau des plateformes. Et là, on pourrait penser qu'on casse le jeu. Bah non, il y a des moments, c'est prévu. C'est prévu comme ça. Bien designé, quoi. C'est ça qui est beau avec ce jeu, finalement. Parce que c'est adapté à peu près à tous les niveaux. C'est que bah, s'il y en a qui veulent juste. Voilà, ils sont pas forcément très doués, bah, ils vont quand même pouvoir terminer le jeu sans problème. Et ceux qui cherchent l'exigence, eh bah, ils vont être servis quand même, parce que bah rien qu'avec le fantôme, déjà, Oui. Ah, pas eh mal. bah, bon courage, hein, parce que même moi, j'ai un peu de mal. Hein.
Ouais. Et honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, à Teen Time, il doit plus valoir beaucoup à ce niveau-là. Donc, il doit être largement Non, abordable. bah après, Teen Time, il est majoritairement des maths. Donc le prix, il varie pas forcément énormément. Alors le jeu est dispo sur PS4, Xbox One, PS et Switch. Switch, si vous pouvez éviter, ne prenez pas sur Switch, parce que comment dire que les temps de chargement, déjà que sur PC, c'est un petit peu long, alors sur Switch, c'est interminable. Je crois que je l'avais pris sur PC, moi. Ouais, bah moi je l'ai sur PC aussi. Mais je l'ai eu sur Switch. Mon Dieu, excellent! Généralement, la Switch, c'est une bonne console, mais c'est vrai que des fois, sur certains jeux, elle galère. Ah ouais, non, non, mais c'est vrai que le jeu galère un peu, alors que graphiquement, il est un peu revu à la rabaisse. Mais bon, en soi, c'est pas forcément dérangeant, c'est du self-shading, donc ça passe très bien. En Mais fait, c'est vrai que. Oh, les temps de chargement! c'est souvent le problème avec les jeux cross-plateformes qui atterrissent sur Switch et qui se retrouvent avec des temps de chargement absolument immondes. Ah ouais, mais bah là, pour le Si, coup, il y a eu 2 ans d'écart, hein, parce que sur Switch, il est sorti en 2019, alors que le jeu est sorti partout ailleurs en 2017. Donc il y a eu 2 ans quand même entre deux, mais. pas bien optimisé, quoi. C'est ça. Pourtant, c'est Ouais, pas du. et en même temps, moi j'ai connu un jeu PS2 qui m'a fait faire des temps de chargement immondes, mais quand je vous dis immondes et tout ça, donc maintenant je suis même plus choquée des temps de chargement, même dans les jeux récents. Alors, moi, je t'explique, j'ai connu le temps de chargement sur Birth by Sleep sans avoir installé les données de PSP. Donc je peux te dire que là tu tapes des temps de chargement de 5 minutes donc Oh, mais j'en sais rien, ça! J'ai des temps de chargement de 10 minutes, moi! Non mais J'en j'ai dit ai 5 10, minutes moi! je précise 5 minutes minimum que... T'inquiète! voilà les Eh ben vrais temps de voilà. chargement quoi. Non, honnêtement, A Teen Time, si vous avez l'occasion, je rejoins Néo, jouez-y. Ah Jouez-y. oui, c'est une bonne petite perle, Voilà. c'est un jeu à l'ancienne comme on n'en fait plus Un il y jeu à a. l'ancienne revu à l'heure actuelle. C'est ça. Rajouter sur ma liste des 2000 jeux à faire. Bon, ok, bon bah, Shadow Art 1 et 2 convenantes, A Teen Time. Voilà, donc là, si tu veux un jeu, si t'as envie de pas avoir En trop de fait, morts, pas trop de trucs dark, machin. Ah là, t'as un jeu tout mignon, tout là. poupi, sauf un niveau qui est un petit peu. Lui, En par fait, contre, un peu imaginez un truc, bien. là, c'est que Nezuki, il a déroulé sa liste de jeux à faire, elle a traversé la maison et elle va jusqu'à l'autre bout du monde. Hein. Ah, en fait, c'est rentré par une de tes oreilles, c'est ressorti par l'autre, Ouais, c'est ça, là. voilà, c'est comme dans les cartoons, faut ouvrir la porte pour que la liste elle suive, en fait, elle sorte. Il y a trop de jeux à faire, c'est trop. Ah, c'est une calamité, hein. C'est vraiment une On n'a pas calamité. assez d'une seule vie pour ça. Hein. C'est ça. Ah, ça, malheureusement. Bon, Nezouk, tu as repoussé ta présentation le plus tard possible, mais maintenant t'as plus le choix. Ouais. Maintenant tu n'as Ouais. plus le choix, il est temps de t'y mettre, mon grand. Eh oui, on va s'y mettre. Alors. Donc, tu vas nous parler de... Oh, de Nier Automata. Et Je ne voilà. suis pas surprise, bizarrement. Bon, en même temps, tous ceux Oui, qui on me est fort, c'est cool. connaissent. Non, mais si vous Quoi? savez depuis combien de temps il me parle de Nier Automata... Non, mais alors, faut savoir en fait que j'ai beaucoup hésité. Parce qu'il y a plein de jeux que j'adore, mais si tu me demandes mon jeu préféré, il n'y a pas d'hésitation. Pour moi, c'est Nier Automata. Et la raison pour laquelle j'ai hésité à en parler, c'est parce que j'étais vraiment pas sûr de pouvoir transmettre tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Ok. Que ni. Prenez-vous des chips à bouffer, à boire, on est parti pour 3 heures. Oui, non mais vraiment, parce que là, en fait, pour expliquer mon amour pour ce jeu, il faut que je fasse une grosse remise en contexte. Je t'ai envoyé une image pour le premier jeu, Nier, parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'ai connu le créateur Yoko Taro avec le jeu Nier, la dernière, voilà. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2010, que j'ai fait 3 ans après sa sortie grâce à un pote, et j'avais adoré ce jeu. L'image est petite. Mais Et t'inquiète, j'avais. je peux toujours l'agrandir. Voilà. Et donc j'avais adoré ce jeu, principalement à cause de son histoire et ses personnages. Mais c'était un jeu qui avait des gros problèmes, notamment un gameplay qui était pas ouf, faut le dire, et qu'il était graphiquement daté, et il y avait un gros problème au niveau de la structure du jeu. Malgré tout, c'est un jeu que j'avais adoré. Malheureusement, le jeu a fait un bide commercial monstre. Et c'est. Oh. Voilà. Et ça a tellement été un bide, en fait, que le studio qui l'a créé a fait faillite. Ah oui, à ce point-là, carrément. Ah merde. Ouais. Voilà. Donc, comment te dire? Après ça. Mais pourtant, c'est marqué Square Enix. Comment ça se fait, Square Enix n'a pas fait faillite Non, pourtant? parce qu'en fait, c'est Square Enix a été celui qui publiait le jeu. Mais le développeur, c'était un studio qui s'appelait Cavia. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et donc, après ça, Cavia a fait faillite.
Donc comment te dire que les chances qu'on ait un nouveau Nier étaient quasiment zéro. Ouais. Voilà, parce que bit commercial, donc aucune raison de le relancer. Et en plus, Nier, sans rentrer dans les détails, ça se finit très mal. Et c'est pas une fin ouverte, quoi. Ah, ok. Voilà. Et donc, 5 ans plus tard, à l'E3 2015, on nous annonce un nouveau Nier, à la surprise générale. Mais surtout, on nous annonce un nouveau Nier développé par Platinum Games. Alors là, comment te dire, le gameplay était le plus gros défaut de Nier. Donc là, tu me promets le scénario de Nier avec son ambiance et avec un gameplay maîtrisé. Donc comment te dire que j'étais hype. Donc après, on a eu toute une série de trailers, dont j'en ai mis un, pendant toute l'année 2016. Et le jeu est sorti en 2017. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer Day One. Ça, c'est dommage, c'est mon plus gros regret. On va mettre le trailer comme ça, ça va. Ok. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped. Encore une fois, le jeu est magnifique, ça se voit. Of life and death. Some kind of punishment. I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Perhaps we're not so different. Digimon! Pardon. To me! Pas de souci. We better finish this quick. Pardon. Pas de souci. They fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. To me, now! Why did you betray us? Just stay out of my way. Nina! We're soldiers. We take pride in our service. Je tiens à m'excuser, voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un kiff sur des jumeaux, donc quand je vois des jumeaux apparaître, je pète un câble. Il y a pas de souci, en vrai je m'en doutais que t'allais réagir comme ça. Il faut reconnaître que le jeu est magnifique, vraiment, graphiquement c'est un très très beau jeu et tout ça. La bande-annonce donne beaucoup envie. J'ai le même souci que toi, Nezu. Je sais, je ferai un jour Nier et Automata, mais je n'ai pas le temps. J'ai trop de jeux à faire aussi. Alors, je veux quand même un peu nuancer. En fait, graphiquement, le jeu n'est pas si impressionnant que ça. Il a surtout une excellente direction artistique. Sa direction artistique est vraiment excellente. Parce qu'il faut savoir que Platinum Games, généralement, c'est un studio qui préfère privilégier la fluidité du jeu à la beauté graphique. Donc... Mm-hmm. C'est quand même un jeu qui n'est pas non plus à la hauteur d'une PS4 graphiquement, quoi. Mais c'est quand même un très beau jeu. Voilà, et donc... Donc du coup, je parlais un peu de ce que parle Nier Automata. Alors, Nier Automata, ça se déroule en fait dans le futur, ça se déroule en l'an 11945, pour être plus précis. On sera tous morts. Quoi ? On sera tous morts. C'est ça, c'est exactement ça. Pour vous donner une idée, ça se déroule à peu près 8000 ans après le premier Nier. Donc vous n'avez pas besoin de faire le premier Nier pour faire ce jeu concrètement. Hein. Il y a juste quelques clins d'œil comme ça, mais il n'y a rien d'important vis-à-vis du premier Nier. Alors perso, j'ai vu beaucoup de références, je ne sais pas si je dois les considérer comme des vraies références, mais j'ai vu beaucoup de trucs qui m'ont rappelé d'autres jeux. Donc,
on va y revenir. Je te laisse parler pour l'instant. On va y revenir. Donc voilà, donc ça se passe en fait en 11945. Et donc la Terre a été envahie par des aliens qui ont envoyé une armée de machines robotiques. Et en fait, suite à ça, les humains ont dû fuir la Terre et se réfugier sur la Lune. Et depuis, en fait, ils font une guerre de proxy en envoyant des androïdes combattre contre les machines des aliens. Et donc, dans ce jeu, tu es dans la 14e guerre des machines. Que oui, il y a tout un truc, plein d'histoires qui se déroulent en dehors du jeu, dans d'autres petites œuvres entre les deux jeux. Mais ça, t'as pas besoin de ça non plus pour comprendre ce qui se passe dans Nier Automata. Hein. C'est vraiment du lore bonus. Mm-hmm. Et donc, tu incarnes les androïdes 2B et 9S, ou 9S. Et donc, tu es un soldat, en fait, qui doit affronter les robots pour reconquérir la Terre, en gros. C'est ça, le plot de base. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, il faut savoir que c'est un jeu Yoko Taro. Et Yoko Taro, en fait, c'est vraiment le développeur qui va faire des jeux d'auteur par excellence. C'est-à-dire que quand tu joues à un jeu Yoko Taro, tu sais tout de suite que c'est Yoko Taro qui est derrière. Et généralement, le scénario, au début, tu n'as aucune idée de comment ça va finir. Donc, parce qu'il va t'emmener dans des directions que tu n'aurais même pas imaginées. Parce que vraiment très vite, en fait, le jeu, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Tu vas notamment commencer par rencontrer des peuples de machines qui se sont déconnectés du réseau des autres machines aliens. De Skynet. Et qui ont... On va dire ça comme ça. Pardon. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai, ça fait penser à Skynet. Et qui, du coup, ont fait leur propre communauté. En fait, déjà, tu te rends compte de ça quand tu arrives à une certaine zone. En fait, je crois qu'il y a dans les screenshots que je t'ai mis, il y en a une, c'est un espèce de parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, tu rencontres déjà des machines qui ne t'attaquent pas, qui sont pacifistes et qui s'amusent comme dans un parc d'attractions normal. Là, c'est une séquence où, évidemment, tu as des ennemis, hein, parce que sinon, c'est un jeu. Oui, il faut des ennemis, quand même. Un peu. Voilà. Mais du coup, tu te rends compte que toutes les machines ne sont pas agressives, en fait. Donc, déjà, tu te poses des questions à ce niveau-là. Et après ce parc d'attractions, en plus, après, tu tombes sur un village de machines qui est vraiment complètement pacifiste et qui essaye de faire des communications avec les androïdes et d'avoir des relations normales. Et tu te rends compte déjà qu'il y a plein de mystères dans ce monde. Et malheureusement, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un jeu qui vraiment, faut vraiment le découvrir. Mais il faut savoir, en fait, on va avoir trois parties principales dans ce jeu. La première partie où tu incarnes 2B, tu joues 2B directement, qui en fait te présente un peu le monde, en fait. Ça te présente un peu le plot, présente les différents lieux et tout. Puis après, en fait, tu vas jouer 9S. C'est le deuxième screenshot parmi les personnages, 9S. Là c'est le screenshot des personnages, voilà. Donc tu vas jouer ce personnage, 9S. Et donc lui en fait tu vas faire la même... En fait c'est un peu c'est la partie du jeu qui est un peu un défaut. C'est-à-dire que tu vas refaire exactement le même passage qu'avec 2B, mais du point de vue de 9S. Et donc tu vas avoir une autre perspective du jeu. Tu vas avoir une toute autre partie du scénario qui va tout te remettre en question en fait. Qui va complètement chambouler tout ce que tu pensais du monde du jeu, de l'univers. Et tu vas te rendre compte en fait que tu étais complètement ignorant de ce qui se passait. Voilà. Alors, juste avant que tu continues plus loin, j'ai une question. Dis-moi tout de suite si c'est lié au lore et que tu peux pas répondre. Est-ce qu'on sait pourquoi les personnages ont les yeux bandés? Alors, si c'est lié au lore, dis-le. Donc, c'est lié au lore. Okay. C'est lié au lore. Mais c'est plus symbolique que réellement expliqué dans le jeu. Mais oui, c'est complètement lié au lore. D'accord. Ok. Voilà. Et en fait, donc t'as cette partie qui fait un peu redite de la première partie du jeu, qui est un problème, surtout si tu fais pas les quêtes annexes, parce qu'il y a quand même des grosses différences entre la partie avec 2B et la partie avec 9S, surtout si tu fais les quêtes annexes, parce que 9S a des quêtes annexes qui lui sont dédiées, mais je vais y revenir sur les quêtes annexes. Mm-hmm. Et en fait, après ça, tu démarres dans la troisième partie du jeu. Et alors la troisième partie du jeu, je vais... rien dire dessus parce que en fait c'est vraiment la meilleure partie du jeu. Et comment te dire, en fait le jeu t'a présenté les choses, ensuite il t'a montré que tu étais ignorant et que tu savais que dalle de ce qu'il y avait en réalité. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait dans la troisième partie, comment te dire, le jeu il va vraiment chercher à te détruire émotionnellement. Ouais, la voilà, joie. c'est
Ah oui, ça va être un jeu de la, ça va être un jeu de la joie. Et en fait, tu vas enchaîner des moments, mais des moments qui vraiment, à la fin, tu te sens pas bien, quoi. Tu te sens vraiment pas bien. Mais je reconnais ça, c'est une PLS. Ah oui, oui, non, c'est ça. Pistolet, bidon d'essence, devant les allumettes. C'est ça, tu es vraiment en PLS, et il faut savoir que ça, de toute façon, c'est vraiment caractéristique des jeux Yoko Taro, tu es souvent en PLS dans la dernière partie du jeu. Et donc voilà. Mais malgré tout, il y a quand même une fin qui est heureuse, entre guillemets, hein, aussi heureuse que peut l'être un jeu Yoko Taro, mais vraiment, tu as une fin qui est très positive, que malheureusement, je ne peux pas dire parce que c'est vraiment un truc qu'il faut vivre par soi-même. Pour moi, c'est honnêtement le meilleur moment que j'ai vécu dans un jeu vidéo. Et sans hésitation. Et comment te dire qu'aujourd'hui encore, je revois cette fin d'ampleur. Alors ça, c'est les deux autres personnages que j'ai montré. J'ai montré des personnages secondaires. Donc tu as le robot, le chef des robots pacifiques, Pascal. Juste la quatrième screenshot. Non, c'est pas lui. C'est oui, le robot. Voilà. Je crois que j'ai un décalage avec le stream, c'est pour ça. Oui, c'est normal. Donc voilà, donc lui, t'as le chef des héros, Pascal, et c'est un personnage qui est hyper attachant, honnêtement. Ça se voit, et... ça se voit, avec sa femme, ça se voit. Non, vraiment, les personnages sont très bien écrits, sont vraiment attachants. Et mais pareil, c'est un jeu Yoko Taro, donc lui non plus va pas être épargné. Mais on en dira pas plus. Et ensuite, t'as les images de deux antagonistes, qui sont un peu les antagonistes principaux de la première partie du jeu. Donc t'as Adam et Eve, les deux jumeaux qu'on a vus. Tiens, c'est marrant, ils s'appellent Adam et Eve. Tiens donc, bizarrement, ah, oui. C'est bizarre, j'ai entendu ce nom-là quelque part. C'est pas choisi au hasard. Non, tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais pas cru. C'est pas choisi au hasard. Parce qu'en gros, si tu veux, pour expliquer un peu leur personnage, Adam, si tu veux, c'est vraiment l'intellectuel des deux. C'est le mec, en fait, il est absolument fasciné par l'humanité. Il veut vraiment comprendre comment vivait l'humanité, leur civilisation et tout. Il essaie vraiment de comprendre l'humanité. Je dirais pas à quelle conclusion il arrive et comment ça finit parce que voilà, mon but c'est pas de spoiler le jeu. Et en fait, Eve, lui, par contre, c'est plutôt, il est simplet en fait. C'est-à-dire, il adore son frère. Mais en soi, lui, il suit un peu son frère parce qu'il adore son frère. Mais en soi, lui, il s'en fout de l'humanité et tout. Il veut vraiment juste vivre avec son frère Erpenard, quoi. Ok. Voilà. Et les derniers personnages qu'il faut bien mentionner, c'est les pods qui accompagnent nos héros, la dernière image. On ne croirait pas comme ça que c'est des personnages intéressants, parce que ce sont juste au début des supports qui donnent juste des trajectoires comme ça, des lignes directives, on va dire. Mais vraiment, en fait, ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris, c'est que dans la troisième partie du jeu, ils sont vraiment développés et ça devient vraiment des personnages hyper attachants. Et... Il contribue grandement à la fin du jeu qui est vraiment excellente. Ouais, donc ça, c'est pour un peu toute la partie scénaristique. Après, au niveau de l'univers en général, donc on est bien sûr dans un univers qui est post-apocalyptique, donc on a des cités en ruine, comme on peut le voir sur les screenshots, des cités en ruine, des déserts, des lieux inhabités. Et il faut savoir aussi un autre truc qui est très intéressant à faire dans ce jeu, les quêtes annexes valent le coup, même si elles sont un peu chiantes à réaliser, elles ajoutent vraiment au background et au lore du jeu. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. C'est un des rares jeux où j'ai vraiment pris plaisir à faire quasiment toutes les quêtes annexes. Parce que t'es vraiment récompensé au niveau du lore et tout ça. T'as même des foreshadowings de ce qui va se passer sur la fin dans certaines quêtes annexes. Donc c'est à ce vrai. Niveau-là... Ça, oui. C'est cool. Parce que c'est vrai que faire des quêtes annexes, juste pour faire des quêtes annexes, ça peut être chiant quelquefois. Mais c'est vrai que si elles t'apportent des trucs sur du lore ou plus d'explications sur l'univers du jeu, c'est toujours cool, ça, par contre. C'est qu'elles sont bien intégrées, quoi. Oui, elles sont la plupart. Il y en a certaines, évidemment, qui sont intégrées que d'autres. On ne peut pas non plus toutes les avoir, hein, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais en plus, surtout, des fois, en plus, les quêtes annexes, c'est genre des mini-histoires, en fait. C'est des histoires avec des PNJ, mais qui sont vraiment intéressantes avec des conclusions assez inattendues par moment. Mais vraiment, ça rend le monde de Nier Automata vraiment très cohérent et vraiment passionnant à suivre, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande vraiment vivement de faire les quêtes annexes, surtout encore une fois dans la partie avec 9S, parce que si vous ne faites pas les quêtes annexes avec 9S, vous allez vraiment avoir l'impression pendant 80% du jeu de refaire tout le même chose que vous avez fait avec 2B, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire si vous jouez à ce jeu. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est l'univers et tout ça. Donc au niveau du gameplay, je vais aussi en parler du gameplay. Donc c'est un jeu Platinum Games, et donc qui dit Platinum Games dit que c'est un jeu d'action. Donc il y a énormément d'action. En fait, on est proche d'un Metal Gear Rising.
et ce qui est normal puisque le mec qui a fait le gameplay était le mec qui a fait Metal Gear Rising. Mais il faut savoir aussi que Yoko Taro, c'est un mec qui est sur le gameplay, il a vraiment sa propre vision, et c'est ce qu'il expliquait en interview, c'est qu'en fait, il déteste que le jeu stagne et reste sur le même gameplay. Et c'est pour ça que, en fait, dans Automata, tu as plein de séquences de gameplay différentes, et des fois, c'est des trucs à la con, c'est genre juste, il va te changer la perspective de la caméra. Genre, un coup, tu joues en normal, un 'beat'em all 3D normal, et puis là, d'un coup, hop, tu passes sur un side-scroller, ou alors tu passes comme sur le screenshot qu'on a là, en vue du dessus. Et ça a pas l'air comme ça de changer le gameplay, mais ça te change vraiment toute ta perspective du jeu, comment tu abordes les combats et tout. Ça, c'est vraiment très fun. Surtout que le jeu le fait de manière vraiment très fluide. Et c'est cohérent, quoi. Et à côté de ça, l'autre partie de gameplay qu'il faut mentionner, c'est que aussi Yoko Taro est un grand fan de Shoot'em Up. Non. Ça, c'est... Voilà. Donc, il est un grand fan de Shoot'em Up. Et donc, il y a des séquences de Shoot'em Up. Et on sent clairement l'inspiration de Ikaruga. Et c'est clairement un de ses jeux préférés. Le vaisseau qu'on voit sur le screenshot, là, c'est carrément le vaisseau de Ikaruga. Même les projectiles, c'est complètement ça. Donc, tu sens vraiment l'inspiration Ikaruga. Et il a admis que c'était un de ses jeux préférés. Donc, voilà, il adore les shoot'em up. Et donc, il y a pas mal de séquences shoot'em up dans le jeu, ça, qui peuvent être un peu redondantes. Mais en soi, ça reste quand même une partie assez moins importante du jeu que le reste. Après, l'autre phase de gameplay très importante à mentionner, c'est les phases de hacking. Donc, c'est le dernier screenshot. Tiens, c'est marrant, ça rappelle quelque chose. Voilà. Et ben en fait... Pardon. Voilà. Ben, en fait, oui, c'est des séquences de shoot'em up un peu similaires à Astéroïde. Et où tu déplaces le petit vaisseau là et tu dois détruire les cibles pour pouvoir hacker les ennemis ou d'autres mécanismes. Mais je reconnais, c'est quand on joue Bentley dans Sly Raccoon 3. C'est un peu ça pour le coup, ouais, c'est vrai. Ça m'avait surpris quand j'avais regardé ton esprit de Sly d'ailleurs. Mais ouais, c'est quand même. Cela dit, je trouve que ces phases sont fun en fait. Elles sont assez fun. Il y a un truc qui est super bien aussi sur ces phases, c'est que par rapport à la musique, et je vais en parler de la musique parce qu'il faut en parler, la musique passe complètement en 8 bits quand tu fais ces phases, et c'est super génial, fun. Ouais, toutes les musiques du jeu ont une version 8 bits pour coller à ces passages-là. Ça c'est cool, ça. C'est ça, c'est super cool. Tu passes vraiment dans une ambiance rétro complètement assumée, quoi. Et donc oui, bah, on va parler un peu de la musique, parce que la musique, Nier dans est... Dans la peau. Quoi ? La musique dans la peau, voilà, ça devait être fait à un moment. La blague de merde, oh, c'est fait. Oh, Siro, voyons, enfin ! Pense c'est à ta normal. Gorge. Voilà. Et donc la musique de Nier, parce que la musique de Nier, c'est une OST qui est impressionnante. Pour une anecdote d'ailleurs, le premier Nier... Ton OST est tellement bonne que malgré que le jeu a été un beat commercial complet, l'album de l'OST a fini dans le top 50 des albums les plus vendus au Japon à cette année-là. Ah ouais, comme quoi ? Ah ouais, quand même. C'est dingue. Ah ouais, ouais, non, c'est la c'est musique... dingue que le jeu fasse un flop, mais que la musique en elle-même soit dans le top 50, quoi. Ah ouais, non, mais la musique vraiment de Nier, elle est réalisée donc par Keishi Okabe et son studio Monaka. Et vraiment, c'est une musique qui... Pour moi, la musique de Nier Automata, c'est mon OST préféré de jeu vidéo. Et en fait, elle est encore mieux que celle du premier Nier, parce que le premier Nier, en fait, avait des très beaux thèmes. Le problème, par contre, c'est qu'il devenait assez répétitif. Et en fait, pour pallier à ça dans Nier Automata, chaque musique a genre 6 versions différentes, en fait. Oh putain. C'est ça, t'as une version qui est lente, une version qui accélère un peu, une version qui est vraiment, il va à fond, et à chaque version a sa version avec des vocaux, avec des voix. Putain, ils se sont passés le cul, n'empêche. Ah oui, non, mais la musique de ce jeu est vraiment impressionnante. Hein. Et bien sûr, t'as en plus les versions 8 bits, donc... Évidemment. Donc, voilà. Oui. Je suis désolé, mais je vais devoir y aller. Ah, pas de soucis, Siro, merci pour ton intervention. C'était un plaisir. Je suis content d'avoir pu partager le jeu et je suis content d'avoir pu entendre vos différents jeux. Et puis, sur ce, je m'en vais le harquer. Je vous dis à une prochaine. À une prochaine fois, Salut. Donc, j'en étais où ? La musique.
Oui, la musique. Et donc, pour ce Nier Automata, faut savoir qu'il y a trois chanteuses par rapport à la version Nier au premier Nier où il n'y en avait qu'une seule. Et en fait, la particularité de l'OST de Nier, en général, c'est qu'en fait, le langage des chansons est un langage complètement inventé. Oh. C'est en fait, voilà. En fait, pour le premier Nier, il avait demandé à la chanteuse Amy Evans, tu essayes d'imaginer à quoi pourrait ressembler un langage dans le futur après, après plein de modifications et tout ça, et tu me fais les chansons avec. Donc c'est pour ça que tu as des chansons en fait, qui des fois ont des consonances de langage connu. Genre il y a des chansons qui te font clairement penser à du français. Alors que c'est pas du français, c'est juste un langage inventé qu'ils ont appelé le langage chaotique. Et ça, ça ajoute vraiment un côté à l'ambiance du jeu, ça ajoute vraiment un côté futuriste à apocalyptique. Quoi. C'est... Putain. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui a été travaillé à ce niveau-là. Faut savoir aussi que la façon dont Yoko Taro fonctionne avec Eiichi Okabe, parce que c'est des grands potes qui se connaissent depuis l'université, la façon dont il fonctionne, c'est simple. Taro, il envoie des musiques qui l'inspirent à Eiichi Okabe et il lui dit « Tu essaies de faire la même chose, mais avec ta touche personnelle. » Voilà, et ça marche super bien. Ça marche super bien. Et après, il faut savoir aussi qu'on a quand même des chansons sont vraiment dans des langages connus, donc on a la chanson principale qui a une version anglaise et une version japonaise. La version japonaise de cette chanson d'ailleurs qui est émouvante, parce que la chanteuse littéralement à la fin craque et pleure. Oh non. je te jure, ça te, tu le sens qu'elle se retient, mais sans ça vient quoi. Et d'ailleurs il y a une autre anecdote sur la musique que je vais pas spoiler, mais qui en gros renforce encore plus la fin du jeu et qui rend la fin du jeu encore plus magistrale que ce qu'elle n'est déjà. Et donc voilà, sur l'OST, c'est vraiment une OST de malade. Bon, ça va, Nezu, que j'ai compris, je note, je dois caser Nier Automata dans mes lives, je sais, je note, je sais, j'ai compris. Et j'ai envie de finir sur Nier Automata parce que j'ai envie de dire une chose positive, vraiment très positive. Contrairement au premier Nier, qui a donc eu une histoire un peu tragique parce que du coup il s'est mal vendu, il avait fait un flop complet et tout, il faut savoir que Nier Automata, ça a été un vrai... Pour le coup, j'ai vraiment pas d'autres termes, ça a été un vrai petit miracle. C'est-à-dire que le jeu a tout d'un jeu de niche, c'est vraiment complètement un jeu d'auteur, avec en plus Platinum Games, et Platinum Games, c'est pas non plus des jeux qui se vendent super bien, quoi. Et bah, le jeu, contre toute attente, a été un succès commercial. Ah oui, complet. Ah non, oui, complet. Oui, complet. C'est complet, ça... On en a tellement entendu parler dans les conventions et des trucs ainsi qu'on le sait, même ceux qui n'y ont pas touché comme moi, on le sait que Nier s'est bien vendu, on le sait. Mais vraiment, oui. Avant Nier Automata, Nier c'était vraiment un jeu de niche que personne connaissait, quoi. Mais là, Nier Automata, ça a fait un carton. Je crois qu'à l'heure actuelle, le dernier chiffre que j'ai vu, on était à 8 millions de ventes, ce qui pour un jeu d'auteur comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Depuis, en plus, le jeu a eu le droit à des ressorties. Récemment, il a eu un portage sur Switch qui, je n'y ai pas joué, mais de ce que j'ai entendu, est un des meilleurs portages de la Switch qu'on ait eu. Quand on parlait de A Teen Time, et apparemment, par exemple, le portage de Nier Automata sur Switch, il est impeccable. Apparemment, il n'y a rien à redire dessus. Et depuis, le jeu a vraiment propulsé la série Nier Automata, parce qu'après, N2B a été mis en guest dans Soul Calibur 6, on a eu deux events sur Final Fantasy XIV consacrés à Nier Automata. Et il y a eu Nier Replica, il me semble aussi. Oui, on a eu du coup le remake du premier Nier, donc Nier Replicant. Ah donc Nier Replicant, c'est le remake du premier Nier, d'accord. Alors, je vais parler un peu de ça. En fait, Nier, le premier du nom, il faut savoir en fait qu'il y avait deux versions du premier Nier. Il y avait Nier Gestalt, qui est celle qu'on a eue chez nous, où tu incarnes en fait un homme de 50 ans, donc tu incarnes un père, mmh, en fait, avec sa fille. Et en fait, au Japon, sur PS3, tu avais la version Nier Replicant, où en fait, tu incarnais un frère. Et donc, tu incarnes un jeune adolescent. Mmh. Voilà, donc ça change complètement la perspective, mais il faut savoir que la version Replicant, avant, n'était jamais sortie chez nous. D'accord. Voilà. Et du coup, pour la version, pour le remake, eh ben, ils ont décidé de porter la version réplicante. Et franchement, si vous voulez découvrir le premier Nier, le remake est incontestablement la meilleure façon de le découvrir. D'accord. Parce que concrètement, en fait, la version du frère est la version canonique à l'univers. Donc, c'est celle qu'il faut jouer, en fait. Et sur bien des points, en fait, elle est meilleure que la version du père.
même si avoir un père c'est quand même assez original et c'était assez intéressant, il y a quand même des points en fait du jeu où ça empathie un peu d'être d'avoir un vieillard de 50 ans, parce que il y a certains dialogues en fait qui ont pas été retravaillés et tu sens que ça colle pas à un personnage de 50 ans, quoi. Ouais. Ça colle plus à un adolescent de shonen. Et ben là-dessus, je vais poser la question. Si on devait faire la entre guillemets la saga Nier, Replicant d'abord ou Automata ou peu importe. Alors, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est parce qu'en fait, si tu fais ce son, l'ordre dans lequel tu fais, tu vas pas avoir la même perspective. D'accord. Nier Automata, en fait, si tu le fais après le premier Nier, en fait, dès le résumé, tu vas avoir... Il y a un truc qui va tiquer et tu vas dire non, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir une perspective totalement différente si tu joues à Nier avant Nier Automata. Alors que si tu fais Nier Automata en premier, tu n'auras pas ce petit contexte et ça te changera un peu ta perspective du scénario. Donc, tu conseillerais Automata avant Replicant, peut-être ? En vrai, pour moi, je pense que n'importe quel ordre fonctionne. D'accord. Mais au niveau de l'accessibilité, je pense que Nier Automata est le jeu le plus accessible. Parce que même avec le remake, le gameplay du premier Nier est quand même pas optimisé, et en fait le premier Nier a un gros problème dans sa structure de base, en fait. D'accord. Dans la façon dont il raconte son histoire, parce qu'en fait si tu veux on va en parler maintenant comme ça sera réglé, pour Nier Replicant en fait si tu veux tu vas avoir une partie de l'histoire, après tu as une coupure temporelle de 5 ans je crois, si je me souviens bien, et en fait après tu vas finir le jeu. Sauf qu'en fait, là, le jeu va te balancer un gros plot twist qui va recontextualiser tout le jeu. Et là, en fait, le jeu va te faire « Ok, maintenant, tu vas refaire la dernière partie du jeu à nouveau, mais avec un nouveau contexte. » Alors, la première fois, ça va, t'as des nouvelles scènes et tout, c'est pas mal. Donc, t'arrives à la fin B, donc qui est la deuxième fin. Mais après, le jeu te dit « Bon, bah tu vas encore le refaire !» Et là, comment dire, j'adore le jeu, mais là, pour le coup, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Ouais, je vois. Surtout que pour avoir la dernière fin, il faut qu'en plus que tu collectes toutes les armes du jeu. Donc en ça, plus. C'est dans le premier Nier. Et en plus, le dernier coup de grâce, c'est qu'après que tu aies eu la troisième et quatrième fin, qui en fait sont un choix que tu fais entre les deux fins, le jeu te dit, ok, maintenant tu veux la vraie fin, il faut que tu refasses la première partie du jeu jusqu'à tel point pour avoir la vraie fin. Oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est foutage de gueule, quoi, ouais, j'avoue. Bah, en vrai c'est un peu justifié au niveau du scénario. Il y a une justification scénaristique, mais oui, c'est très chiant à faire, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que je pense que Nier Automata est beaucoup plus accessible, parce qu'il va te refaire faire du côté de 9S la première partie du jeu, comme je te disais. Mais derrière, après, ça va être un truc 100% inédit, quoi. Donc, il n'y a pas autant de redites. Comme dans le premier Nier, c'est vraiment le truc qui cache un peu le premier Nier. D'accord. Voilà. Bah moi en fait j'aimerais dire un truc sur Nier Automata, parce que moi j'ai pas joué à Nier Automata, mais je connais, je pense que tu dois la connaître aussi, hein, cette anecdote. Mais je sais pas si vous connaissez le jeu Dragon Guard. Mais en fait Dragon Guard, en fait c'est un beat'em up, mais il me semble que une des fins de Dragon Guard mène à Nier Automata, ou du moins il fait référence. Oui, alors en fait, c'est pas exactement ça. Je vais pas parler de ça parce que Dragon Guard, c'est vraiment un truc encore à part. Oui, c'est totalement à part, mais c'était juste parce que je voulais juste le faire en mode anecdote, parce que je sais qu'une des fins fait totalement référence et annonce c'est même pas, Nier Automata. C'est même pas référence, en fait. C'est que Dragon Guard, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2. Et en fait, la dernière fin de Dragon Guard est la fin qui conduit à Nier, en fait. C'est même pas en fait que ça fait référence, c'est que c'est en fait c'est le préquel à Nier, en fait, Dragon Guard. C'est ça. Si je me souviens, c'est la fin E où en fait. Voilà, tu peux montrer. Voilà, ça c'était le premier, Dragon Guard. C'est celui-là vraiment qui mène à la fin de Nier, non ? Ou c'est le suivant ? C'est ça. Ça c'est la fin E qui mène à. Et donc la fin E de ce jeu-là mène à Nier. Donc c'est toute la timeline du Tarotverse qui est assez compliqué, on va pas se mentir. Il y a aussi un autre truc qui est un peu. Qui va déranger certains, je pense, mais en soi, ça dérange pas la compréhension du jeu si tu le fais pas. Faut savoir qu'aussi, l'univers de Nier, t'as plein de trucs qui ont été faits à part, en fait. Genre des histoires qui sont racontées dans des livres qui ont été publiés qu'au Japon, des pièces de théâtre, et tout, qui étoffent l'univers, en fait. C'est pas nécessaire pour comprendre, mais... voilà. Et il faut savoir, en plus, qu'on parle de Dragon Guard, et tu as aussi Dragon Guard 3, qui est un préquel à Dragon Guard 1. D'accord.
Techniquement, je peux même la montrer parce que je pense que je l'ai trouvée, la fin E qui mène justement à Bah oui, c'est celle-là, ouais. Dragangard. Donc attendez. À Nier, ouais, Bah c'est c'est ça, ça. voilà. Allez, je vais la passer, comme ça vous allez voir de quoi on parle. Passe par contre le boss, parce que je me rappelle qu'il y a un boss. Mais je sais pas si ça affronte le boss. Ah oui, Si, si, c'est oui, bon. parce que t'affrontes le Attendez, boss final. on va passer le boss alors. Ah, par contre, c'était vraiment une fin troll qui, à la base, même Yoko Taro lui-même a admis qu'il prévoyait rien après, en fait, à la base. Ouais. Voilà. Finalement, hein, le troll devient une histoire. C'est ça. Il faut savoir par contre aussi que Drakengard, même par rapport à Nier, c'est un jeu hyper trash. Oui. C'est vraiment un jeu hyper Je sais, trash. j'y ai joué, je sais, je sais. Voilà. Par contre, c'est aussi un jeu qui est très dur au niveau d'accessibilité parce que niveau gameplay. J'en ai chié. En fait, j'ai jamais fini Drakengard, j'en ai beaucoup chié, j'ai fini par abandonner. Mais oui, il n'est pas J'en veux évident. pas. Non, non, Ouais, mais. en fait, pour un peu contextualiser la fin, là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du jeu, en fait, le jeu se passe dans un monde qui s'appelle Midgar. Et en fait, à la fin du jeu, voilà, t'as le boss final et le héros qui arrive en fait dans Tokyo, dans notre univers à nous, quoi, en fait. Et donc, c'est là qu'ils vont détruire le boss de fin. Et bah, j'en dirai pas plus pour que vous les découvrir, mais c'est en gros à partir de là que ça va mener jusqu'à Nier, en fait. Tokyo. C'est ça, j'aime bien le dragon. C'est ça la terre des dieux. Tokyo. Techniquement, c'est pas fou. Ah merde, c'est encore le boss. Attendez, on va passer le boss. Attendez. Ouais, bon, on a l'habitude avec les Sentai, hein. Tout tourne autour du Japon et surtout de Tout. Tokyo. Tout. Ce boss d'ailleurs qui a traumatisé. Oui. Oui. Bon, moi je l'ai pas affronté, mais j'ai regardé un let's play et arrivé là, j'ai fait oh putain. En fait, c'est le jeu qui passe. Ok, maintenant tu as fait un jeu avec un shoot'em up et du Dynasty Warrior. Bah, maintenant c'est un jeu de rythme, démerde-toi! C'est ça! D'ailleurs, ils nous ont refait le même coup avec Drakengard 3. Bah, c'est marrant de changer. C'est ça. Ah oui, là, le C'est dragon génial, qui se fait. c'est génial! Tu viens de buter un mort et tout, tu fais ça y est, c'est fini! POUM! Tu te fais déglinguer! Je fais ah! En sachant que la fin est censurée dans notre version à nous, en fait, à la fin, tu vois le dragon qui s'empale sur la tour de Tokyo. Voilà. Mais du coup, c'est parti de cette fin, en plus avec le thank you for playing complètement trollesque C'est ça. après. C'est ça. Toi, tu viens d'être traumatisé, tu viens de voir ça, t'es traumatisé, et à la fin, t'as thank you for playing! Fait... Oui. Mais ça, c'est une petite touche. Le trop malin. Mais ça, c'est une petite touche mignonne de Julio Cotaro. T'as toujours un petit thank you for playing à la fin. D'ailleurs, là, ce qui était marrant, c'est qu'il n'était pas sur le premier à la base. Ils l'ont ajouté dans le remake, le petit thank you for playing. Voilà. Donc, ça c'est Voilà. une des fins de Drakengard qui mène donc totalement à Nier Automata. Ça, c'est la dernière fin de Drakengard. Alors, pour la débloquer, cette fin-là. Oui. Parce que ça, c'est la fin E, hein. C'est la dernière, c'est la fin E, donc ça veut dire qu'il y a 5 fins à débloquer. Hein. C'est ça, et en fait, pour la débloquer, il faut que tu aies toutes les armes du jeu, sachant qu'il y en a, il y en a une quarantaine ou un truc du Ouais, genre, et ouais, ouais. c'est un calvaire. C'est un Et calvaire. d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est bien dans Nier Automata, par contre, c'est que pour débloquer la vraie fin de Nier Automata, pour une fois, il a retiré cette règle de devoir obtenir toutes les armes du jeu. Ah. Et c'est appréciable. Tu m'étonnes. Par contre, si tu as toutes les armes du jeu, en fait, c'est tu débloques la dernière quête annexe qui te mène à un boss secret bien vénère. Bah évidemment. Et voilà. Et que je ne vais pas parler parce que c'est un boss qui vaut le coup. Il faut savoir aussi un autre petit truc marrant sur Nier Automata, c'est qu'en fait, Nier Automata a 26 fins différentes, mais il n'y en a que 5 qui sont canoniques. En fait, les autres fins, c'est des fins trolls. Et c'est juste trop drôle. C'est genre, des fois, tu te barres du champ de bataille et tu as un petit message en mode. Et depuis, Toubi s'est reconverti pour devenir pêcheuse. Et fin, ça te met les crédits rapidement. Je l'imagine bien pêcher avec son épée gigantesque en mode harpon. En fait, pour pêcher, elle utilise son pod, Ah mais bon, voilà. dommage. Mais voilà, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai pas montré non plus tout, mais en fait, t'as tout un truc de customisation parce que t'es un androïde. Et donc, tu peux customiser ton personnage avec des puces. Les puces, c'est un peu comme les Materia D'accord. comme les Materia. Et il y a un truc marrant, par exemple, c'est que tu es un androïde et donc tu as une puce principale. Tu peux retirer cette puce et ça te conduit à une mauvaise fin. Bah oui, tu te désactives techniquement donc. Voilà, c'est ça. Et ça te met un Suicide! message.
Rappel, ne pas enlever la puce principale. C'est la fin I comme idiot, quoi. Je sais plus c'est quoi la lettre. D mais... comme débile. Ah non, la fin D, c'est une des fins principales, pour le coup. Ah merde, bon, bah alors à la fin S, comme suicide. En fait, t'as les fins A à E qui sont les fins principales. Voilà, mais okay. t'as plein d'éléments comme ça qui sont vraiment trollesques, mais c'est Yoko Taro, il aime bien foutre des trucs marrants dans son jeu. Si je dois faire une liste des jeux que je dois faire en priorité en live, moi aussi, elle va passer la porte, hein. Ma liste. C'est la porte, ma liste. Ah mais vraiment, pour le coup, Kyo fait ce jeu. Je sais, mais je sais pas quand. Ah, j'ai trop de jeux à faire, je sais. Voilà. Et aussi, il faut savoir, il y a eu des DLC pour Nier Automata, il n'y en a eu qu'un seul. Où tu peux affronter le président de Square Enix, c'est toujours bon à dire. Pourquoi pas ? Allons péter la gueule du patron ! C'est ça, tu peux péter la gueule du patron, c'est juste jouissif à faire. Ça fait de la merde sur ce jeu ! Non mais en vrai, ce jeu, je tiens vraiment à le dire, hein, ce Nier Automata, ça a vraiment été un petit miracle au niveau de son développement et tout. Parce qu'en fait, à la base, Yoko Taro, il est arrivé chez Platinum Games, il savait pas trop ce que ça allait donner, il avait une appréhension. À la base, le jeu est un jeu de science-fiction, c'est parce que Yoko Taro pensait que Platinum Games était spécialisé dans les jeux de science-fiction. D'accord. Donc à la base, ça a commencé vraiment comme ça, et après il a fait un scénario autour de ça. Et en fait, là où c'est vraiment, ça tient vraiment du miracle, c'est qu'il est arrivé dans Platinum Games, et en fait... quasiment tous les mecs qui étaient dans son équipe étaient des fans du premier Nier, qui avaient un énorme respect pour son travail, et donc tu sens vraiment... C'est ça. Et bien en fait, du coup, c'est ça qui est vraiment fort avec Nier Automata et que je trouve, c'est un jeu qui est vraiment sincère. C'est vraiment des passionnés qui ont fait un jeu, le jeu qu'ils voulaient à fond, quoi. Ils n'ont pas eu de restrictions, rien du tout. Ils ont vraiment pu faire le jeu qu'ils voulaient. Et tu sens vraiment qu'il y avait une vraie passion derrière ce projet, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que la fin, eux, vraiment... elle est juste la fin E, honnêtement, à la fin j'étais en larmes. C'était vraiment quelque chose, la fin E, quoi. D'accord. Voilà. Eh bien merci Nezouk pour cette présentation de Nier Automata, ça m'a beaucoup touché. Je sais, je te jure qu'un jour je ferai ce jeu, il faut juste que je trouve quand le caser et tout, parce que j'ai tellement de jeux à faire et tout ça. Mais oui, il sera fait. Il est dans ma liste de Steam, je l'ai acheté, hein. Je l'ai juste jamais lancé. Je l'ai. D'ailleurs, ça par contre je veux dire une petite anecdote là-dessus qui est un peu énervante, c'est que la version PC de Nier Automata pendant des années a eu des problèmes, des bugs, des problèmes d'optimisation. Ils l'ont corrigé que genre il y a l'année dernière, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, c'est le niveau PC, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça a été un vrai foutage de gueule au niveau de la version PC, quoi. J'ai peut-être bien fait de pas la lancer tout de suite alors. Ouais, t'as bien fait, parce qu'apparemment c'était vraiment à la limite du injouable sans patch, quoi, sans mode à côté. Mais apparemment maintenant ils l'ont patché et c'est résolu apparemment. Ok. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Hein. Donc, Siro est parti, mais merci à lui d'avoir parlé de Danganronpa, même si on est en train de le faire en live. Hein. Merci à Neo d'avoir partagé Hat in Time, qui est un jeu que j'ai aussi beaucoup apprécié quand je l'ai découvert, que j'aime toujours autant d'ailleurs, hein. J'y reviens aussi régulièrement. Oh, ce jeu-là, on s'en lasse jamais. Non, on s'en lasse jamais. Généralement, les petites plateformes comme ça. Voilà. Et merci à Nezouk de nous avoir partagé son Nier Automata. Je sais, il est prévu que je le fasse un jour, je sais juste pas quand. Fais-le ! Je sais ! Je sais ! Fais gaffe, il est dans ta tête en plus. Hein, donc, oui, je sais donc, attention, mais... hein, les menaces peuvent être sérieuses. Mais bon, faut pas m'en vouloir, il y a personne à 3 en ce moment, après il va y avoir les suivants qui vont passer, donc je vais avoir du mal de le placer quelque part. Ah là là. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là dans le chat. J'espère quand même que ce petit partage ton jeu vous aura plu, vous aura fait découvrir des jeux et vous aura donné envie de les tester à vous aussi. Hein. Jouer à Shadow Heart, c'est aussi des très bonnes sagas. Jouer à Shadow Heart, voilà. Moi aussi, je vends le mien, hein, malgré tout. Et bah, je pense que samedi prochain, si j'arrive encore à avoir des gens, on refera ça. Il y a encore... moi, je sais que j'ai encore plein de jeux à vous présenter. Hein. J'ai toujours plein de coups de cœur et plein de jeux que j'adore et tout ça. Et des coups de gueule, du coup, on est plein. Des coups de gueule, j'en ai pas tant que ça, moi. Moi, j'ai tendance à éviter des coups de gueule, donc... En fait, moi, j'en ai pas non plus beaucoup, parce que généralement, quand un jeu me fait chier,
je m'en rends compte très rapidement et très souvent j'abandonne le jeu. Oui, parce que moi en fait, le vrai seul coup de gueule que j'ai eu c'était Persona 4 et Persona 5 et ça arrivait à la fin, donc j'aurais eu du mal de m'en apercevoir plus tôt. J'en ai eu quelques-uns quand même des coups de gueule, mais si un jour je suis réinvité. Oui, mais en même temps, en général, mes coups de rage c'est souvent sur des jeux qui sont faits pour te faire rager, donc ça compte pas vraiment techniquement. Non. Voilà. Mais je vais essayer de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des jeux qui m'ont fait rager? J'avoue que j'ai du mal. Sûrement, hein, mais j'ai du mal à... J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai deux. J'ai bien mes cartouches. Où j'ai bien mes cartouches, moi, niveau coup de gueule. D'accord. Bah écoutez, oui, peut-être que je vous réinviterai sûrement de temps en temps pour parler d'autres jeux qui vous ont touché, qui vous ont... Encore une fois, qui vous ont touché, que ce soit positivement ou négativement, hein, après tout... C'est toujours des jeux qui nous marquent, mais de différentes façons. Hein. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Hein. Voilà. Mais voilà, donc on va s'arrêter là. Et donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et donc je pense en effet que samedi prochain, je referai un truc comme ça. Mais je vais voir avec qui je peux faire ça et voir moi-même qui... Moi, je sais déjà de quoi j'ai parlé. Hein. Je vous ai dit, j'ai une liste monstrueuse de jeux donc je veux partager. Mais voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Bisous, bisous. Bonne soirée. Bye.